Et bonjour jeunes amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Bonjour à tous, coucou TNT, Alistair, oh my god, je veux te voir chez MCES. J'ai envie de modérer un live où tu es là, ce sera pour vendredi. Vendredi après-midi, on aura un très gros live, un BO3, la finale de la Champion War League. MCES versus Vatank de 14h à 19h. Donc ça va être très très long, mais ça va être bon. Voilà, coucou à tous, coucou Constantin, Adri, Ectoplastron, Code Magic, tout le monde, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour cette troisième journée de l'ESL France Division 2, qui annonce encore une fois du lourd. Le programme de la soirée, il est là. Les amis, programme de la soirée, on va commencer par Urania versus Four Elements. Déjà, on va commencer sympa, hein. Là vraiment sympa, les Urania, j'ai pu les cast de cette semaine. Ils sont on fire en ce moment, les Four Elements. Chaque semaine, on les voit envoyer du lourd, vraiment. Ensuite, peut-être la rencontre de la soirée, les Bunker Esports contre Code Magic Black. On va enchaîner ensuite aux alentours. Il faut compter environ une demi-heure, théoriquement, par rencontre. Voilà, merci Boss Zero qui offre l'abonnement à Caféine. Merci beaucoup, c'est gentil. On va enchaîner, du coup, aux alentours de 21h, hein, environ. Purple Red versus Urania Academy. Et on terminera aux alentours des 21h30, 22h. Hein, évidemment, toujours, c'est à modérer un petit peu. Activium versus Blue Fire. Voilà, j'espère que vous êtes chaud pour cette troisième journée. Coucou à tous, bienvenue. Les joueurs sont prêts. Et d'ailleurs, je crois que les joueurs ont lancé. Attendez, les joueurs ont lancé, là ? Non, pas encore. On va regarder. J'essaie de vérifier quand même dans le clan, mais ça a l'air d'aller. Je crois que pas tout le monde est encore dans le clan, il me semble. Donc, première rencontre, Urania versus Four Elements, Burn, Blaze, Baseboard et Didi. Côté Four Elements, Slidix, Nuts, Spitfire, Virtuose et Max Nick. Du très très lourd en somme, vraiment, du très très lourd. Merci Boss Zero qui offre un deuxième abonnement, merci beaucoup. C'est parti pour Antonapoli, merci infiniment mon grand, c'est très gentil de ta part. Je rappelle, hein, au cas où, j'ai enlevé toutes les notifications, évidemment, pendant ce live, pour pas être trop dérangé. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, ça fait plaisir que vous soyez présents. Daddy Arrow qui nous dit Didi la biscotte. Bah oui, c'est, il s'appelle comme ça, voilà. Il s'appelle comme ça maintenant, coucou Crésus, coucou à tous, coucou Descotes. Et coucou Caféine TV, du coup, merci encore Buzz Zero pour les abonnements offerts. Voilà, les amis, on attend juste que les joueurs soient prêts. La régie, si vous m'entendez, je crois que de la première rencontre, les joueurs ne sont pas encore prêts. Je crois même que du côté Urania, que je dois spec côté bleu, il me semble. Je vais faire un petit aller-retour sur mon Overland Game. Je crois que c'est Urania que j'ai mis côté bleu, voilà, c'est ça. Donc je crois que pour l'instant, il n'y a personne côté Urania dans le clan, ou alors ils sont pas prêts. Bon, on va voir ça. Urania a deux teams, absolument. Deux rosters, on appelle ça exactement. Urania classique et Urania Academy. Voilà, on va pas dire qu'il y a un roster plus petit que l'autre, plus jeune que l'autre peut-être. Academy plus jeune. Roster plus jeune, je pense. Et qui a fait des merveilles. Hein. C'était hier soir. Et oui, c'était hier soir pour le Brawl Tour numéro 7. Urania Academy a fait des merveilles. Ils sont allés jusqu'en finale. Ils ont perdu 3 BO3 à 2, la grande finale. Ça s'est joué à pas grand-chose. Pourquoi il y a deux Urania? Bah voilà, je viens de l'expliquer. Ce sont deux rosters totalement différents. Exactement comme Code Magic Purple et Code Magic Black. Voilà, ce sont deux rosters différents. On appelle ça des rosters, des équipes, tout simplement. Et du coup, bah, les deux se retrouvent en Division 2 actuellement. Il y a qui dans Urania Academy? On va les voir tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure, Crésus. Ne t'inquiète pas. On va les voir tout à l'heure. C'est bon, ça se remplit tout doucement. Ils sont à 2 sur 6. Ça va arriver. Oui, ça va très très bien. Et toi-même, Slicer Snake. Coucou Enzo 2B, comment vas-tu? En demi? Comment ça en demi, Lucky Nul? Coucou Leonitix. Coucou Mixlo. Je remets vite fait le programme de la soirée au cas où vous ne l'avez pas suivi, au cas où vous venez d'arriver. Voilà, on va partir du coup contre Urania contre les Four Elements, les amis. Il faudra rester jusqu'au bout parce que ça va enchaîner avec Code Magic Black versus Bunker.
eSport Silver, je précise pas, mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux que je précise quand même. On enchaînera du coup sur Purple Red versus Urania Academy, Activium Blue Fire. À la fin, on est parti pour une bonne soirée, les amis. Coucou à tous. Par Leaf, oui, tout à fait, Leaf Sun en finale, exactement. Et c'était pas en demi, il y a quelqu'un qui a mis la demi, mais. Urania s'est fait éliminer en demi-finale. Mais c'était qui en finale alors? C'était Leaf Sun qui a gagné. Mais c'était pas contre Urania en finale. J'ai des doutes. Tu me mets des doutes. Ah non, c'était BCBG, t'as raison. Oui, t'as raison. Mais à coup de pas, c'était BCBG eSport en finale. Tu as tout à fait raison. Mais à coup de pas. Est-ce que Twisty va jouer aujourd'hui? Non, absolument pas, Lamp. Twisty fait partie du premier roster Code Magic qui évolue en Division 1. Et qui sont d'ailleurs champions de France. Champions de France de la Division 1, ça s'est joué du coup dimanche soir sur le live de David K. Ça c'est fini. Mais Code Magic Purple a fini sa saison. Hein, ça se joue par saison. Là c'est la saison 2 du coup qui commence. Et il y a le deuxième roster de Code Magic, du coup Code Magic Black, qui joue ce soir, qui joue tous les mercredis soirs. On rappelle évidemment les deux meilleurs rosters. De cette division 2 vont monter en division 1. Je vais vous remettre le programme de la soirée. Merci Mariana, c'est très gentil. Ils sont à 3 sur 6, très bien, ça avance. C'est parfait. J'espère aujourd'hui encore entendre le fameux. Oh yeah! Ah ben non, Robzo, c'est pas possible! Il y en a eu plein déjà! Il y en a eu plein, enfin il y aurait pu en avoir plein, il y a Boss Zero qui a offert déjà plusieurs abonnements, mais voilà, je le répète, les mercredis soirs pour l'ESL, j'éteins les alertes, surtout que les miennes sont quand même un petit peu, je vais pas dire farfelues, mais bon, elles sont sonores, hein, on les entend de loin, donc du coup j'ai préféré les enlever totalement. Voilà, je me branche au cas où. Normalement, j'ai de la batterie, mais bon, on ne sait jamais. D'ailleurs, je me suis complètement emmêlé le fil. Je vais le démêler un petit peu avant de me rebrancher. Voilà, c'est bon. Maintenant, il est bien. J'ai vu ça, Slither Snake. C'est très bien, je suis content. Je suis très content pour lui. Tu reviens pour le dernier match. Ça marche. Évidemment, chacun a ses préférences. Coucou, Fio. Ça fait bien grave que mes pupilles n'augmentent plus. Alors ça, je sais pas. Est-ce que sur les autres chaînes Twitch, ça se produit aussi? Parce que ça, c'est vraiment totalement indépendant à Twitch. Je n'ai aucun accès là-dessus. Aucun rapport avec ça. Coucou Léa, comment ça va? Qui va jouer pour Urania? Je vous remets les rosters, les amis. Je vous remets les rosters. Donc, Urania versus Four Elements. Voilà le roster des Four Elements, Lydix, Nuts. Je sais pas si on dit Nuts ou Nuts, excusez-moi. Je veux dire Nuts hein, à l'anglaise plutôt. Spitfire Virtuose et Max Nick. Et côté Urania, Burn Blaze, Baseboard, Didi. Je les vois toujours à 3 sur 6. Hein, les amis, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles, ils prennent leur temps. Et ça va arriver. Est-ce qu'on a un classement? Bien sûr, on a un classement. Bonne question. Et mea culpa, je vous ai pas précisé le classement de la soirée. Enfin, pas le classement de la soirée, mais le classement à l'issue des deux premières soirées. Donc, les Bunkers. Oui, c'est ça. Bunker, Silver et Activium. Pour l'instant, invaincus. Donc, 2-0. 2 victoires, 0 défaite. 6 points. Les Four Elements Code Magic Black et Purple Red et Urania Academy, pardon. Ils sont à une victoire et une défaite pour le moment. Donc 3 points, c'est les 3 points de la victoire. 0 point pour une défaite. Hein. Vous faites le calcul assez rapidement. Hein. C'est pas hyper, hyper compliqué. Et pour l'instant, Blue Fire et Urania, en légère difficulté. On n'est qu'à 2 journées sur 7. Donc tout est encore possible. Évidemment. Coucou Bass, comment vas-tu? Coucou Iduge. Ok, donc du côté Urania, le roster, c'est donc Burn, Bilo et Justice qui vont jouer ce soir. Ok, ça marche. J'ai les infos du coup en direct.
Oui, bah, chaque semaine, hein, les rosters, j'ai l'impression qu'ils bougent un peu. Ah, c'est peut-être moi qui n'ai pas mis à jour. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible, hein. Pourtant, j'ai essayé de passer derrière tout le monde. J'ai essayé de passer derrière tout le monde, mais j'ai peut-être raté ça. Je vais essayer d'aller voir tout de suite ça, voir si je peux le mettre à jour en temps réel. Ah, ça peut venir de moi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les Urania, je les ai. Voilà, Burn Justice et Bilo. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Mais, ouais, mais il a changé depuis la semaine dernière. On est d'accord. On est d'accord que ça a changé depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, les joueurs sont prêts. On va pouvoir suivre Urania versus Four Elements. Ça va pouvoir. Il a changé la semaine dernière. Ok. Mercredi dernier. Ok. Bon, j'ai peut-être pas mis à jour depuis. Donc, on va partir pour cette troisième journée, les amis. Urania versus Four Elements. On va commencer sur une map de Brawl Ball. Coup d'épaule. Shoulder Bash en anglais. Entre les deux équipes. On rappelle évidemment, hein, c'est du BO5 de BO3. Là, on l'a fait à la vraie. Hein. C'est du lourd. Hein. BO5 de BO3 à chaque fois. Hop. Niveau ban, les amis. Alors, tout simplement, les Four Elements n'ont pas eu le temps de ban. Et côté Urania, il y a eu un ban. Elisa, les amis, c'est bon. Ça va pouvoir y aller. Première game, les amis. Urania versus Four Elements. C'est parti. Côté Urania, du coup, on a un Poco Jackie. Poco Jackie, assez classique, on va dire, sur cette map avec Sprout, hein, Wally, qui est évidemment, s'il n'est pas ban, il est joué. Hein, c'est une obligation. Pour l'instant, ça se jauge. Il faut que ça farme les ultis. Petit avantage. Non, pas plus maintenant. J'allais dire petit avantage pour les Urania. Mais juste après, il y a eu un kill. Justice qui va mettre l'ulti. Ça va temporiser. Burn qui a le. Qui a l'ulti, ça va être très très dur du coup, un peu de rentrer pour les Four Elements, évidemment. Max Nix Lidix et Speed du coup, avec une compo un peu plus contrôle, on va dire, avec l'ulti qui permet de rendre invisible, etc. Max Nix l'ulti, ça s'est pas mal joué du tout, il fait le kill, ça va être un premier but très probablement pour les Four Elements. Et oui les amis, c'est parti très très vite là, hein, pour eux, avec un énorme travail de Max Nix qui a grabé tout le monde, entre guillemets, avec son ulti, je vais appeler ça un grab. Ok, franchement là, l'ulti de Sprout, de Slidik, c'est pas mal. Ça permet de temporiser énormément. Regardez les dégâts qu'il met sur Bilo. Il est obligé d'ulti, Justice. Ok, est-ce qu'il va tenter? J'ai l'impression qu'il a mis un gadget, Bilo, juste avant de faire son ulti. Ok, il y a Justice qui est parti, le heal un petit peu, mais il va le payer de sa vie, malheureusement. Ah, les Four Elements, ils sont très, 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 très chauds. Hein. Ça, on le sait. On le sait, on le sait. Bilo qui va faire le kill sûrement sur Split. Voilà, qui okay, est fait. Il reste 48 secondes. Il y a le temps, mais quand même. Hein, il va falloir tenter des choses assez rapidement. Et ça va être très compliqué. Ils n'ont rien pour casser les murs. Donc, Sidix, il va pouvoir wall sur wall sur wall. Et là, ça va être très, très, très compliqué. Regardez, il a déjà récupéré. Il a mis un ulti. Il a récupéré son ulti immédiatement. Et ça sent très très bon pour les Four Elements. À 27 secondes de la fin, Max Nick, est-ce qu'il va pouvoir passer? Est-ce qu'il va pouvoir... Non! Un wall de burn. Ça permet de temporiser. Je sais ce qui va essayer de faire l'agression pour essayer de gagner du temps. Mais à 10 secondes de la fin, ça va être très très compliqué. Regardez Speed qui va faire un ulti-back. C'est bien joué. Je rappelle, ce n'est pas du mauvais jeu, évidemment. C'est ce qu'il faut faire. Quand on veut gagner. Et ça va être du coup... Une première victoire pour les Four Elements, les amis, dans ce BO3. Ils sont très en forme. Ils sont très très en forme. Vous avez vu, ils ont pris une compo. Vous savez que Poco Tank, ça fait forcément peur. Mais ils ont réussi à garder des distances et à les maîtriser de loin. Et ça s'est très très bien passé du coup pour eux. Alors, la première rencontre. Voilà, je n'avais pas affiché le petit versus. Les voici, les voilà. On rappelle, on a un ban uniquement Elisa, les Four Elements qui ont soit pas soit oublié de donner le ban. Peut-être c'est intentionnel, qui sait? Qui sait? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que pour toute cette rencontre, on va avoir qu'un seul ban pour chaque mode. Voilà, tout simplement. Coucou Boxtap, comment vas-tu? Hop là! Ils ont pas ban Sprout. Alors tu peux les appeler autrement, s'il te plaît, Nadzu. C'est gentil de ta part. Hein, merci. Mais en tout cas, oui, pas de ban Sprout. Et ça veut dire forcément que les deux équipes vont le jouer. Hein. Forcément, forcément. Alors là, boss 0, là, c'est impossible de remonter. J'ai essayé de retrouver ton message, là, c'est impossible. Donc pas de last message, s'il vous plaît, quand je suis en casse comme ça. Absolument 007. Qui n'a pas aimé? Coucou Guillaume, comment vas-tu? Merci pour tous les follows, bienvenue à tous. Ah oui, Boxtab, oui, qui a un nouveau follow. Oui, oui. Tu vas bien, bienvenue à toi, un abonné d'MCES. Ça fait zézir. Du coup, c'est reparti, les amis, pour la deuxième game. Hop là. J'ai cliqué juste à côté. La deuxième game. Oh, du premier BO3 de Brawl Ball pour l'instant. À l'avantage des Four Elements, côté rouge. Ils ont repris la même compo, hein, côté Four Elements. Alors qu'ils ont enlevé la Jackie pour prendre une Rosa côté Urania. Et c'est parti très très vite. Déjà 3 kills à 0. C'est parti tellement vite de la part des Four Elements. Paperboy. Ah là là. Il a Justice qui a pas réussi à aller à utiliser son gadget jusqu'au bout. Du coup, il est tombé. Bilo à 1500 points de vie. Ça va être très compliqué pour lui. Ils avancent très bien. Est-ce qu'il va avoir un ulti? Eh non, il n'aura pas l'ulti à temps pour défendre Burn. Du coup, c'est déjà un premier but de la part des Four Elements qui entament très très bien cette rencontre. La première victoire est pour eux. Ils mènent déjà 1-0 dans cette deuxième game. Attention, Max Nick peut-être? Ah non, non. Il y a eu l'ulti tout de suite de Justice. S'il dit que ça a 200 points de vie, il a eu un petit peu de chance là sur le coup. Bilo qui va essayer de remonter avec la Rosa, c'est pas évident, hein. Évidemment, avec deux ranges en face, c'est très très compliqué. Burn qui a essayé de le coincer, qui a essayé de coincer Max Nick, mais il n'a pas réussi. Du coup, il va faire le double kill, Max Nick. Voilà qui est fait, triple kill de la part des Four Elements. Et ça va être un deuxième but, sans aucun doute, les amis, de la part des Four Elements. Du coup, première game. Premier BO3, pardon. Premier BO3 pour les Four Elements. Ça se passe très bien pour eux pour l'instant. Hein. En termes de maîtrise de compo, là, ça se passe extrêmement bien. Est-ce que vous avez remarqué que Sprout avait eu un buff dans la dernière mage? Ah non, alors ça, un buff. Sprout a eu un buff. Ah, j'ai raté ça, non. Moi, j'avoue que j'ai raté ça. Et oui, je suis de retour. Attention à Zorb, entre tes paroles et... les majuscules, attention au spam et tout. Coucou Elias, comment vas-tu? Du coup, coucou, je viens d'arriver. C'est le premier match absolument Jungle Fury. Je vous le remets très vite fait. Ça commence à 20h, donc vous n'avez rien raté. Hein. C'est la première rencontre. Urania versus Four Elements. Du très très lourd ensuite. Ça commence déjà bien. Il y a du très très lourd ensuite. Du coup, deuxième BO3. On va partir du coup sur une map de prime, Terre en vue, Land Heroi, en anglais avec un anglais absolument magnifique, hein, on est d'accord. Hop là, et du coup ça repart tout de suite avec une compo Piper, Brock, Tick, très, on va dire assez classique, contre Piper, Tick et Sprout côté Slidix. Côté Four Elements, donc double lanceur, hein, côté Four Elements, qui pour l'instant domine assez tranquillement là, 5-0, 2 kills à 0, plus l'étoile du mid. Ça se passe très très bien. Un kill de la part des Urania. Attention, Burn qui est pas bien. Ah, il a pris des risques là, il a pris vraiment beaucoup beaucoup de risques qui n'ont pas payé. Piper qui... Pip God, excusez-moi, qui va retomber. Bilo est obligé d'utiliser le gadget. Il maîtrise vraiment très très bien le milieu de terrain, hein, les Four Elements. Alors que Bilo a le 4 roquettes, hein, il m'a semblé. Il m'a semblé voir qu'il n'y avait pas de flamme à l'atterrissage.
Et oui, en effet, il a bien le 4 roquettes. Est-ce qu'il va tenter d'agresser Max Nick? Et oui, il va faire un gadget offensif. Est-ce que ça va payer? Il y a une roquette qui touche. Pour l'instant, pas deux. Ouh! Alors, Justice, là, il vient de faire un snipe magnifique. 5 à 9 à 15 secondes de la fin. Est-ce qu'ils peuvent tenter l'impossible? Ça va être compliqué. Justice qui accorde un nouveau kill. 12 à 5. Ça fait très, 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 très mal. Bilo qui est obligé de back. Bon, il tente des choses. Là, à la fin, dans tous les cas, il faut tenter. Il faut tenter des choses. Ça ne passe pas, malheureusement, pour leurs essais. Du coup, c'est une nouvelle game pour les Four Elements qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Les Four Elements, ils ont de la chance. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour l'instant, ils font des games parfaites. Pourquoi parles-tu de chance, mon cher ami? Coucou, Cassé, comment vas-tu? Coucou, Krag. Absolument, Krag. Merci. Oh! Merci, Aurel. Alors, je suis désolé pour l'ESL. J'ai éteint mes notifications pour pas être trop embêté. Mais merci, Aurel Clash of Clans, qui vient de s'abonner. Quel honneur! Quel honneur! Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est après le match Code Magic. Absolument. Code Magic versus Bunker eSports. C'est la deuxième rencontre de la soirée. Salut à tous. Coucou, Aurel. Tu vas bien? Aurel, évidemment, au cas où, si j'ai besoin de le présenter, parce qu'il est un peu plus spécialisé, évidemment, sur Clash of Clans, hein, vu son nom. Partenaire Clash of Clans, code créateur Aurel COC dans le shop, et avec qui je caste énormément de games sur MCES. Allez, merci encore infiniment pour ton abonnement. On est reparti du coup avec les mêmes compos. Non, ils ont pris la compo miroir. Urania Burn qui a pris le sprout pour essayer de faire la compo parfaitement miroir avec le... c'était Bilo hein, qui était sur Brock. Il s'est peut-être pas senti à l'aise face à double lanceur, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, évidemment. Donc du coup, il est parti lui sur Tick et Burn sur Sprout pour l'instant. L'avantage de une étoile, évidemment, à l'équipe des Four Elements. Ils ont juste récupéré l'étoile du milieu. Mais cette étoile peut faire vraiment la différence. Vous voyez qu'au bout d'une minute de jeu, il y a toujours 1-0. Et c'est le genre de game qui peut vraiment finir à 1-0. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'action. C'est juste que la moindre erreur est fatale. Donc, forcément, ça joue... voilà, il faut bien se placer et pas faire d'erreur. Ok, ça touche une fois de chaque côté. Côté Burn et Slidix. Ok, la tête de chaque côté entre Max Nick et Bilo à droite. Attention, il lance une tête, il tente la tête côté gauche. Bon, ça va pas aller très loin. Attention, il a raté une fois Spit. Ça pouvait être dangereux. Bilo qui a plus beaucoup de points de vie. Il reste 17 secondes. Je vous l'avais dit, c'est le genre de game qui peut finir à 1-0. Hein. Bilo qui est pas bien. Il faut qu'il recule. Justice qui est pareil, qui est dans la sauce également. Et à 4 secondes. Et non, ils sont obligés d'accorder des nouveaux kills. Ils tentent, hein. Soit ils perdent 1-0. Soit ils tentent l'impossible, tout simement pour essayer de renverser la situation. Donc ils ont tenté, il ne faut pas avoir de regrets évidemment. Du coup c'est un deuxième BO3 pour les Four Elements les amis, qui sont vraiment très 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 bien hein, dans ce match et dans ce tournoi en général. Hein. Dans ce tournoi en général, ils sont vraiment très 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 en forme. Coucou Snowflake, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Four Elements, ils sont chauds. Ah, mais là, on est d'accord avec Topaz 3. Non, mais ils sont... Oui. Pareil, c'est un roster très récent qui envoie du lourd. Ils jouent quoi les Blue Fire? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remets le petit programme de la soirée, les amis. Les Blue Fire joueront en quatrième match contre les Activium, les amis. En troisième match, Purple Red versus Urania Academy. Et Code Magic Black versus Bunker eSport, juste après la rencontre que nous sommes en train de regarder en ce moment. On va partir du coup sur un troisième BO3, Fort de Pierre, la nouvelle map, enfin, l'ancienne map qui a été remise récemment lors de la dernière mise à jour. J'aime beaucoup, beaucoup cette map, elle est très compétitive je trouve. Et on a comme ban sur celle-ci, du coup, un ban Jean, tout simplement. Ban Jean de la part des Urania. Et ça repart du coup immédiatement. Vous voyez le score 2 BO3-0 pour les Four Elements. Côté rouge,
plus le droit à la moindre erreur. Côté Urania, côté bleu là. Du coup, niveau compo, on a double Sprout mid. Et évidemment, s'il est pas ban, vous le jouez. Hein. Vous connaissez la méta. Si Sprout pas ban, vous jouez Sprout. C'est tout. Ah, ça, c'est pas mal. Ce qu'a fait Burn là, ça oblige Maxnik à sortir de son coin. Tout simplement parce qu'il va plus avoir d'herbe. Par contre, Bilo en difficulté un peu une Elisa contre un ricochet. Forcément, le ricochet a beaucoup plus de portée que lui. Et Maxnik qui joue vraiment mid. Hein. C'est vraiment un choix de sa part. Il joue mid. Quand il faut, quand il peut, il va essayer de déborder un petit peu Justice sur le côté gauche. Mais sinon, au début, il a vraiment essayé d'aider un maximum Slidix au milieu de terrain. Burn qui a fait un très très bon travail. Mais malheureusement pour lui, il ne le tue pas Slidix. Ce qui fait que derrière, il prend un assaut terrible de Maxnik à 1000 gadgets. Et du coup, ça va changer, on a l'impression. Il y a Justice qui part au mid. Vous avez vu, ils ont changé. Ils ont bien compris que les sides étaient, entre guillemets, perdus face à un ricochet. Ricochet sur cette map, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, je trouve ça hyper, hyper fort. On ne le voit pas assez, je trouve. Burn qui utilise son gadget là, pour manger un petit bout d'herbe, récupérer 2000 points de vie. Mais c'est dur. Ils subissent un petit peu, là, hein. les Urania. Ça s'est passé pas loin du tout, à plein de reprises. Que Sidix tombe ou quoi, mais pas une seule fois, malheureusement pour les Urania. Ils ont pu réussir à tuer Sidix, à le faire tomber. Il a toujours joué extrêmement safe. Du coup, c'est une double balle de match pour les Four Elements qui mènent 2 BO3 à 0 et 1-0 dans ce troisième BO3. Ça se passe extrêmement bien pour eux. Ah, la gorgée d'eau qui n'arrêtait plus. Je buvais, et plus je buvais, plus j'avais soif, j'ai l'impression, et j'arrivais pas à m'arrêter. Pardon. Coucou Hugo, comment vas-tu? Ils sont trop chauds, les Four Elements. Ah, ils sont chauds. On va voir, hein. On va voir. Je vous remets le classement général. Pour l'instant, ils ont fait une défaite, mais il y a du très très lourd. Je sais que dans 2 semaines, ils vont jouer contre Code Magic Black. Il va y avoir une très grosse rencontre dans 2 semaines, Code Magic Black, Four Elements. J'ai hâte d'y être. Vraiment, vraiment, j'ai hâte d'y être. Ça promet du très, très lourd. Coucou Jikas, coucou à tous, coucou Yonix. Allez, on est reparti, les amis. Attention, balle de match pour les Four Elements, côté rouge. On est parti sur la même compo côté Four Elements. Ils ont enlevé la Elisa, qui n'a pas réussi à faire grand-chose. La game d'avant, côté Urania, pour prendre la Jackie en miroir. Et pour l'instant, encore une très très belle domination. Oh là 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 là, Spit sur le côté là. Qu'est-ce qu'il est bien, il est à l'aise. Il n'a jamais perdu son side pour le moment. 7 à 0, imaginez. Imaginez, Sidix va utiliser son gadget pour récupérer des points de vie. Justice qui tombe sur le côté droit. Burn qui va essayer de partir à l'agression sur Maxnik. Oh là là, le gadget de Maxnik pour aller finir Burn. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ça permet de temporiser énormément pour Slidix pour tenter de récupérer la 10e gemme. Alors malheureusement pour eux, bah, c'était un mauvais timing. Hein. Malheureusement pour les Four Elements. Mais bon, ils sont quand même très très bien là. Ah, Bilo qui tente. C'est pas mal de sa part. C'est bien ce qu'il fait. Il faut tenter des choses. Ça ne passera pas. Et même, il va donner la 10e gemme. Mais il fallait tenter. Parce qu'ils étaient clairement dominés là dans cette game. Il faut tenter de déborder les adversaires. Changer un petit peu les habitudes de jeu. Est-ce qu'il reste peut-être un gadget sur Bilo? Eh là, ça va être dur. Ça ne va pas passer. Et les amis, ça fait donc 3 BO3 à 0 pour les Four Elements versus les Urania. Très 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 bien joué de leur part. En face, bah, par contre, là, je vois des critiques, mais franchement, en face, c'est pas qu'ils jouent mal, hein, c'est que les Four Elements, ils sont vraiment on fire. Vous voyez Maxnik, là, qui a 1000 trophées sur sa Jackie. Ils sont vraiment très, 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 très en forme. Hein. Ça va très bien, Hugo, je te remercie. Et oui, Antoine, on est d'accord hein, sur cette map. Rico supérieur à All. On est tout à fait d'accord. Allez, du coup, on va pouvoir partir sur la deuxième rencontre de la soirée.
Je vais tout de suite changer ça, ni vu ni connu. Voilà, on va remettre les scores à 0. Voilà qui est fait. On va partir du coup sur la deuxième rencontre de la soirée. Je sais que vous êtes très très nombreux à l'attendre. La voici, les amis, les Bunkers eSports Silver versus Code Magic Black. On va aller voir du coup, il y a qui dans chaque équipe, les amis. Côté Bunker Silver, on a donc Maez, Watabi, TMBB, Lunch et Blaze. Côté Code Magic Black, Equa, Cassé, Martin Chong et Tuanum, les amis. Du très lourd, hein. Des deux côtés, évidemment. Qui osera dire le contraire? Donc, est-ce que les joueurs sont prêts? Non, pas du tout. Ils ne sont pas dans le clan. On a encore, du coup, un petit peu de temps. Je crois que ça a été mis à jour. Je vais aller regarder ça tout de suite. Le classement, le programme de la soirée. Est-ce que ça l'a mis à jour? Normalement, ça l'a mis à jour. Oui, c'est magnifique. 3-0 pour les Forêts-Mantes. Merci la régie. Régie fantastique. Merci Varkan. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, hein. Merci pour tous les follow également, bienvenue à tous. Du coup, voilà, la première rencontre est finie, on va pouvoir partir sur la deuxième. Les Code Magic Black, excusez-moi, versus Bunker eSports Silver. L'argent contre le noir, qui va gagner ce soir? Je fais presque des rimes, c'est beau ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Brawl Ball Stars. Alors, attention, il faut faire la différence entre... les rosters qui jouent pour les tournois internationaux, etc., pour les tournois officiels, et les rosters qui jouent, j'ai mes cheveux, que je me rends compte que mes cheveux font n'importe quoi. On voit que j'ai pris le vent avant de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je veux dire? Et les rosters qui jouent pour les ESL. Les ESL qui jouent pour un pays, là, pour les championnats de France, il y a obligation d'y avoir deux Français. D'accord? Donc c'est pour ça... que dans le Code Magic Purple, avant que Twisty arrive évidemment, dans le roster principal, enfin le premier roster de Code Magic, il n'y avait qu'un seul Français qui était Sun Bentley. Du coup, pour faire les tournois comme l'ESL France, ils ont été obligés de modifier les deux rosters, les deux équipes. Ils ont fait monter du coup Tom02 dans le roster qui est en Division 1 pour pouvoir d'ailleurs gagner le championnat de France. Et du coup, ils ont fait jouer Cassé en Division 2. Enfin, à l'époque, c'était pas pour la Division 2, mais du coup, les deux rosters se sont mélangés un petit peu comme cela. Voilà, voilà. Ok, merci. Ce sera pour les Blues. Merci beaucoup, Régie. J'essaierai de mettre à jour au cas où, tout à l'heure. Du coup, les amis, on n'attend plus que les joueurs. Ah, c'est bon, il y a Equa qui est parmi nous. Alors, je sais plus qui j'ai mis côté bleu. Il faut que j'aille voir ça tout de suite. On a mis les Bunkers côté bleu. Les amis, on a mis Bunker côté bleu. On va pouvoir y aller dès qu'ils sont prêts. Ils sont à 6 sur 6. Les bans, les amis. Les bans, évidemment, pour cette deuxième rencontre. Eh ben, comme pour la première. Hein. Ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien. Ah, Cassé et Code Magic Black officiellement depuis l'arrivée de Twisty. Ah, excuse-moi, j'ai raté l'annonce, Flora. Merci beaucoup. Et ton message qui n'est pas passé parce qu'il y avait trop de majuscules. Oh, c'est terrible. Ah, oh, c'est terrible, ça. Ah, oh, c'est terrible. Attends, je vais essayer de le recopier. Hop là, Flora qui nous a écrit ceci. Donc voilà, Cassé est officiellement Code Magic Black. Mais à culpa d'avoir raté cette information. Que c'était officiel, qu'il était donc définitivement, oui, on peut dire, chez Code Magic Black. J'ai raté l'info. Hein, vraiment, mais à culpa. Puis on regarde MP, évidemment, après le live, Hugo. Donc du coup, première game de Brawl Ball. On a Elisa de ban côté Bunker. Et tout simplement, les Code Magic Black qui ont soit pas eu le temps, soit oublié, soit c'était intentionnel, hein, peut-être. C'était une stratégie hein, de leur part de ne pas fournir de ban. On le saura jamais. Et du coup, on a un seul ban Elisa pour ce BO3 de Brawl Ball, les amis. Bunker eSports, côté bleu évidemment, côté rouge, les Code Magic, Tuanum, Casey et Quack. C'est parti pour l'instant, 0-0. On a une compo assez... pas assez, hein. Non, c'est totalement miroir, si, tout à fait. C'est bien ça. Donc, pour l'instant... Ouh, Blaze qui, elle est partie utiliser son gadget dans le coin. Mais Casey, il en a décidé autrement. Il lui a dit, hop, tu vas pas te heal, toi. C'est moi qui décide si tu vis ou non. Et là, il lui a dit, c'est pas le moment de vivre.
Ok. Ah, attention, il y a peut-être une ouverture à gauche, là. La passe, il me dit qu'une passulte aurait peut-être pu passer de la part de Watabi. Après, il y avait l'ul des couacs, mais il y avait peut-être quelque chose à tenter. Sur Watabi qui est pas bien, là. Il y a eu un kill sur toi, Noom. Watabi qui met le... Oh là là. Oh là là. Il met l'ulti pour survivre à la graine des couacs. Ça, c'était exceptionnel, ce qu'il vient de faire, là. Qui ici, c'est le gars anglais, absolument. Il est britannique, tout à fait. Toujours 0-0, il reste une minute, les amis. Blaze qui tombe, il se retrouve en 2v3 côté bunker. La confrontation de Jackie contre Jackie, hein, toujours intéressante. Watabi qui met l'ulti. Il va tomber, il se retrouve à nouveau 2v3. Et quoi qui va coincer Blaze, qui va tomber. Toanum qui met l'ulti et ça va aller très très vite. Oh, il est obligé de wall, c'est très bien fait de la part de Lunch. Franchement, il faut du réflexe, hein. Pour faire ça, il faut vraiment du réflexe parce que ça peut aller très très vite. Hein. Pour mettre un wall parfait comme ça. Ok, ça se jauge pour l'instant. Lunch qui est pas bien. Il a mangé un petit peu d'herbe pour récupérer des points de vie. Watabi. Non, Watabi qui va pas passer. Il a tenté là, mais c'était très très dur. Ça va mettre une nouvelle zone pour Blaze. Il va lui aussi tomber sous les coups cumulés. Des couacs et de Toinou. Ok, Lunch qui se protège là derrière un petit mur. Il est pas mal là, il est pas mal. Il peut toucher une fois et couac, deux fois et couac. La zone va vraiment faire la différence. La première Sandy, la première Emery qui va débloquer l'ulti, ça va vraiment faire la différence. Et c'est du côté Con Magic, les amis. Regardez, il va pouvoir réavancer un petit peu. Sans se faire voir, alors évidemment les dégâts de zone font très très mal. Il se retrouve en 3v2. Attention, peut-être la triangulation. Lunch qui ne va pas tomber. Un tir ulti, non, un tir passe. Un ulti passe. Blaze qui dégage. Oh, ça sent bon quand même pour les Con Magic là. Ça sent très très bon. Le tir ulti qui ne passera pas, mais ça va finir par rentrer les amis. Et c'est du coup 1-0 pour les Con Magic Black dans ce premier BO3. Et game tendu, hein, mine de rien. Game très très tendu. Entre les deux équipes. En compo miroir en plus. De surcroît. Coucou William, comment vas-tu? Hop là, on revient. 1-0 pour les bunkers. Pour les Con Magic. Mais à culpa. Game qui s'est joué dans les 10 dernières secondes de la confrontation. C'est pour dire à quel point c'était serré. On va voir peut-être qu'avec des compos non miroirs, peut-être que la partie serait moins serrée à voir. Est-ce que l'une pourrait prendre plus l'avantage par rapport à l'autre? Mais c'est vrai qu'en compo miroir, souvent, ça se joue à des petits détails. Hein. Il y a eu 3-0 avant, absolument Mamat. Absolument, je te mets ça très vite fait. Hop là, 3-0 pour les Four Elements dans la première confrontation. Coucou Aritir, comment ça va? Coucou à tous, coucou Burn. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour tous les follow. Bienvenue à vous. Du coup, 1-0 pour les Con Magic Black. On est parti pour la deuxième game. On rappelle, il n'y a qu'un seul ban. C'est celui de Elisa, E-M-Z. Pour les intimes. Et du coup, ça a changé totalement la compo. Ça a pris une compo Poco double tank. Frank Jackie côté Con Magic. Alors que ça a pris la même compo côté bunker. Alors là, la zone de Blaze qui n'a peut-être pas été la plus utile vu qu'il y avait deux morts. Et à mon avis, il ne devait pas craindre grand-chose d'un Poco en 3v1. Il reste encore 2 minutes, on est très très large. L'ulti de Casey peut-être. Hop là, ça passe. De justesse, mais ça passe. Blaze qui va avancer le ballon, c'est bien joué de sa part. Ça permet de temporiser énormément. Lunch qui a l'ulti. On sait qu'il va pouvoir temporiser, quoique pas beaucoup, hein, parce que Casey, il a le sien aussi. Donc là, tout est... Ça s'est pas joué à grand-chose du tout, cette histoire. Watabi qui a mis le gadget pour aller chercher le ballon. Il va aller l'avancer à nouveau. Il va aller l'avancer, voilà. Ça permet de gagner du temps. Là, clairement, il fallait gagner du temps. Ils étaient vraiment dans le mal. Côté bunker. Et à nouveau ils sont en difficulté. Comment arrêter un Frank qui a 10 000 points de vie? Oh là là, ils y arrivent à chaque fois. Mais j'ai l'impression qu'ils font plus survivre que vivre. Hein. Pour l'instant, les bunkers, à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose.
Et hop là, Casey qui va encore faire passer un ulti. Il y a théoriquement la possibilité de l'arrêter avec soit l'ulti de Watabi, soit le wall de Lunch. Ah non, il a pas réussi à attraper le ballon Lunch et du coup c'est un premier but pour les Code Magic. Attention, la zone qui est placée de la part de Blaze, peut-être. Avec cette zone, est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? En 40 secondes, tout est possible. Il focus le Poco, ça c'est bien joué de sa part. Avec Sprout, attention l'ulti qui peut faire très mal. Oh, le petit mur post-stun, il permet d'être protégé. Un nouveau stun de la part de Casey. Oh là 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 là, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça va être un 2-0 les amis. Ça va être un 2-0, c'est sûr. Et du coup, BO3 à 0 pour l'instant pour les Code Magic. Le sans faute pour le moment. On va peut-être pouvoir suivre un comeback des Bunkers dans les BO suivants. Compo ingagnable. Non, pas un... C'est compliqué. Hein. On sait que ça reste une des meilleures compos. Poco double tank. On sait que ça reste extrêmement fort, évidemment. Évidemment, évidemment. Alors, dans cette deuxième rencontre, du coup, on va partir sur un deuxième BO3 de prime. Ce coup-ci sur 1000 feuilles hein, pour chaque rencontre. Les maps sont différentes. Je trouve ça très intéressant pour pas voir la team, le match juste avant. Qu'est-ce qu'ils ont joué? S'adapter un petit peu par rapport à eux. Voir un peu la méta des derniers jours. Parce que c'est vraiment, des fois, ça peut changer un petit peu rapidement. Et du coup, sur 1000 feuilles, qu'est-ce qu'ils ont décidé de ban, les amis? Il y a un ban Poco, ben voilà, pour éviter le Poco Tank, évidemment, sur Millefeuille, de la part des Bunkers. Côté Code Magic, voilà, on rappelle, pas de ban pour pour ce match. Du coup, ça va partir sûrement en compo classique, vu qu'il n'y a pas de Poco. Soit la compo classique, à base de Brock, Piper, Sproutik, etc. Ou alors, ça peut nous tenter des petites choses farfelues, hein. Est-ce que ça va nous sortir du Mortis? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit Mortis? Ça vous plairait un petit Mortis peut-être? C'était toi, GamerX. Ok, la lime. Tu ne me l'as pas précisé hein, sur Insta, je crois. Coucou Rilou, coucou à tous, hein, encore une fois. Il y a Broken qui est arrivé, Xpec, The Bosque. Voilà, coucou à tous. Allez, ça va bientôt repartir. Du coup, entre les deux équipes. Le score, hop là, je l'ai remis à 0, c'est bon pour le deuxième BO3 de prime. Ils réfléchissent à leur compo et ça va repartir. Ouais, grave, un Mortis. Ah, on va voir, hein, est-ce qu'ils ont le courage de sortir le Mortis? On va voir. Coucou Lander, comment vas-tu? Donc, uniquement ban Poco, on va voir. Des fois, du Monsieur P, oui, c'est vrai. JKIS, c'est vrai qu'on peut voir du Monsieur P sur cette map. On peut voir également de la Penny, etc. Après le live, Hugo. T'as travaillé les pseudos? C'est-à-dire, JKIS? J'ai travaillé des pseudos, tu parles de qui? Coucou Ratio, la forme. C'est pas une question de courage, mais non, on va peut-être pas aller jusque-là. Pourquoi Code Magic n'a pas de ban? Je l'ai dit tout à l'heure, soit voilà, un oubli, un retard... ou alors, intentionnel, hein, pour s'ouvrir plus d'opportunités, c'est possible aussi. C'est possible. Je ne sais pas. Attention. Et du coup, c'est parti en compo. Ouah, il est obligé de gadget, Casey, sinon il risquait de tomber. Blaze qui est pas bien, là. Blaze qui est pas bien. Oh, il a réussi à reprendre pas mal de points de vie. Et du coup, Watabi qui fait le kill. Oh! Et quoi, qui fait le sien également. Oh là 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 là, il y a deux kills de chaque côté là, ça enchaîne très 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 vite. Et quoi qui s'échappe à 300 points de vie. Oh là là, ça va vite hein. J'ai rarement vu autant de kills sur cette map en début de partie. Du coup, Sprout Brock des deux côtés, mais par contre ce qui différencie c'est le tick, hein, côté Code Magic et la Jackie côté Bunker. Et c'est vrai que avec double Brock et même tick hein, qui peut casser les murs avec son ulti, j'ai un petit peu peur pour la Jackie en fin de game. Hein. Une fois que tout sera ouvert... Il n'y aura plus de bush, plus de mur. Je ne sais pas trop ce qu'il pourra faire. Donc pour l'instant, petit avantage pour les Bunkers, 7 à 5. Mais on sait que sur cette map, on le sait. Hein, on le sait que c'est jamais, jamais fini. Le bel ulti de Lunch, magnifique. Le kill sur Toinou, qui est ici, qui est parti à 500 points de vie. Toinou, il a crash? Ah zut!
Zut zut, merci pour l'info. J'ai pas fait attention que c'était un bot ou quoi là. Alors là, oui, là je vois qu'il bouge pas. Je vois qu'il bouge pas, mais avant j'avais pas vu qu'il bougeait plus. Eh ouais, du coup ça fait, c'est peut-être la différence. Oui oui, d'accord d'accord. C'est un bot, les amis. Vas-y, va tout droit, petit bot. Eh oui, les bots ont un peu la méchante habitude d'aller tout droit. Malheureusement, autant ils visent très très bien. Non, la vérité, je suis déjà tombé contre des bots. Enfin, tout le monde est déjà tombé contre des bots. Autant ils visent bien, mais autant clairement ils font du tout droit. Hein. Il a perdu en niveau. Non, 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 évidemment. Ouais, j'ai pas vu avant que vous me le fassiez remarquer. Excusez-moi, j'avais pas fait attention qu'il était AFK. Et bonne remarque. Du coup, ah, du coup, ça fait mal. Du coup, ça fait mal. Une première victoire. Malheureusement, hein, vous le savez, c'est comptabilisé les problèmes de les problèmes internet, de connexion, peut-être de matériel ou quoi. Évidemment, ça c'est impondérable. Et du coup, première victoire pour... Hop là, excusez-moi. J'ai oublié de changer d'overlay avant de revenir à mon compte. Du coup, première victoire pour les Bunkers. Ils vont remake ? Non, 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 il n'y a pas de remake. Sauf si on m'affirme le contraire à la régie. Hein. Coucou Cypriv, coucou Théo, coucou à tous. Mais normalement, ça c'est... Voilà, ils peuvent rien faire. Pourquoi ils peuvent rien faire ? Donc je vous explique. Tout simplement, c'est évidemment pas ce qu'il a fait, hein, vu qu'ils viennent de gagner 2-0 le premier BO3. Mais imaginez, dans une équipe, s'il y a une équipe qui commence à perdre, bah, ils font semblant, il y en a un qui fait semblant d'être un bot, il bouge pas pendant plusieurs secondes, et puis après il fait du tout droit, tout le monde peut jouer le bot, hein, je pense. Il y en a qui sans faire exprès font les bots, hein, mais sans faire semblant. Mais voilà, imaginez en tournoi, il y en a qui font semblant. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On rematch ? Eh non, on peut pas, on peut pas. Donc, et je rappelle, hein, c'est évidemment pas ce qu'ils viennent faire, vu qu'ils sont en train de gagner un BO3-0. Hein. Voilà, sortez pas du contexte, là, je sens. Faut que je fasse très attention à ce que je dis. À chaque fois, on le sort du contexte. Ça tire à balles réelles. Non, il faut dire ce qu'il faut, ce qui est quand même. Ah, tu parlais par rapport à ton pseudo ? DKIS ? Mais ça fait longtemps que je maîtrise ton pseudo quand même. Ça fait longtemps. J'ai pas compris ce qu'ils ont pris. BK Silver, il y a 3 personnes qui quittent en 3 jours. J'ai pas compris ce qu'ils ont pris. Tu parles du roster, mais pas du tout du tournoi là. D'accord, ça c'est un autre souci. C'est cramé, les bots ils font des changements de direction instantanée. Ouais, mais j'ai jamais réussi à avoir l'œil vraiment pour ça. En fait, mais surtout quand je caste, je fais hyper attention aux actions et pas forcément au déplacement de chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois qui va attaquer qui, etc. Mais je fais pas forcément attention suffisamment. Quand je caste, évidemment, quand je spec une partie comme ça pour le plaisir, c'est différent. Mais attention, Blaze, ouais, il a mis le gadget pour aller chercher l'étoile, mais il a pris quand même très très cher. Lunch aussi, il a pris très cher. Ici, ouais, il a été obligé de gadget, hein. Sinon elle allait prendre la graine, c'était sûr. Oh, le kill de lunch. Non mais mine de rien, ça se passe bien là. Pour eux, pour les bunkers. Oula, Equac qui se retrouve coincé. Ça sent pas bon pour Equac et il tombe d'ailleurs. Il a mis le mur un tout petit peu trop tard. Du coup, 8 à 3 pour les BK, côté bleu. Ok, une roquette qui passe pour lunch. Deux roquettes qui passent pour lunch sur KC. C'est pas évident hein, de gagner son duel contre KC la machine. Et là, écoutez, pour l'instant, petite domination sur cette game, sur cette lane. Lunch KC. Blaze qui va faire le kill sur toi, nous. Blaze qui est pas bien, 45 points de vie. Il met le gadget. Oh là 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 là, ce rebond des couacs. Ils reviennent plus qu'à une étoile. 10 à 9. Il reste 45 secondes. Tout est possible. Ils sont vraiment en défense, hein. Maintenant, les BK, ils mènent au score, mais par contre, ils sont vraiment, vraiment, vraiment en défense. Hop là! Ça, c'était pas prévu, pourtant, je suis en ne pas déranger. 10 à 9, attention. Ah, lunch, il y a l'ulti qui peut partir à tout moment. Toi, Noom, qui met le gadget. Oh là là, lunch qui a essayé de le défendre, mais ce n'est pas passé. Il s'échappe à très, très peu de points de vie, du coup, toi, Noom. Code Magic qui domine, 11 à 10.
Ah, ça va être dur d'aller chercher le kill. Ça va être très très dur d'aller chercher le kill. Et oui, obligés. Ils sont obligés de tenter des choses. Et du coup, égalisation à un partout. Les amis entre les deux équipes. Ça s'est joué à pas grand chose, hein, quand même. Mais on a vu que même s'ils dominaient au score, les bunkers, ils sont trop reculés en défense. Et derrière, trop compliqué. Sur cette map, plus vous reculez, plus vous êtes en difficulté. Du coup, égalisation un partout dans ce BO3 de prime. À la loyale, ce coup-ci. C'est mieux en 3 contre 3. Certes. Allez, du coup, ils vont repartir. On rappelle, c'est Poco de ban. Donc, vous ne verrez pas de Poco double tank ou ce genre de fantasy. Mais souvent sur cette map, quand même, même si Poco est ban, on aime bien mettre une Jackie. C'est souvent le tank qui est choisi. Ça met énormément de pression. Un coup de gadget et ça peut aller chercher les ennemis très très loin. Oui, absolument, pour ceux qui viennent d'arriver. 3-0, les Four Elements versus Urania. C'était le premier match de la soirée. Et c'est parti, du coup, un partout entre les deux équipes. Tout est jouable. Maintenant, qui va s'en sortir? Et quoi, qui était à deux doigts d'aller chercher l'étoile, mais il a compris qu'il pouvait y passer s'il le faisait. Du coup, il a préféré la laisser. Et c'est Tuanu qui est allé la chercher 1-0. Ok, ils sont mis autant de dégâts, Tuanu et Blaze. Attention, avec quoi qui a pris l'ascendant. Oh, le... Ah, il a très bien. Il a eu le bon réflexe, gadget. Et quoi, mais ça n'a pas suffi. Il va décider de tout casser au milieu et pas les murs. Il préfère avoir la vision, la visibilité sur ses adversaires. Ok, ça va toucher. Il est très bien, Watabi. Petite domination, hein, DBK de 1 kill. Vous savez que cela ne veut rien dire. Oh là là, 112 points de vie sur Watabi. Lunge qui est pas bien non plus. Il va toucher deux fois le mur. Le 1v1, Tuanu Blaze qui est pour l'instant à l'avantage de Tuanu. Ah là là, il se fait aider heureusement. Et ici qui va aller chercher le kill dans le petit coin. Blaze qui était parti au coin. 6-3 quand même pour les BK pour l'instant. Ça marche bien pour eux. Lunch qui est un petit peu dans la sauce. Est-ce qu'il va enfermer, quoi? Est-ce qu'il va l'enfermer pour faire le 1v1 contre Blaze? Il préfère pas utiliser son ulti. Oh là là, c'est un concours de ratage de graines, hein, entre les deux équipes. Et Casey, oh là là, ils ont enchaîné 2 kills, ils dominaient 6. 6-5, 6-3, même quelque chose comme ça. Oui, 6-3, c'est ça. Ils ont enchaîné 2 kills derrière les codes Magic. Pour faire oublier cette mauvaise première game de prime. Où il y a eu une déconnexion. Attendez, peut-être la dernière seconde. Mais non, il n'y aura pas de dernière seconde. Ça va être du coup une victoire des codes magiques. Et donc un deuxième BO3 pour eux. 2 BO3 à 0 les amis. Ça se passe très très bien pour les codes magiques. À part cette petite game de déconnexion. Le reste se passe bien. Merci pour les nouveaux follow. Bienvenue à vous. Solide. Coucou Aerox, tu vas bien? On va donc pouvoir partir sur une troisième map. Les amis, troisième map de Razia de Gem sur Arcade Cristalline. Qu'est-ce qu'ils nous ont décidé de ban côté bunker? On rappelle, hein, pas de ban côté code magic. Ils en ont pas besoin. Ils en ont pas besoin des bans. Du coup, ils en ont pas mis. Du coup, il y a un ban Rosa. Côté Bunker eSport sur Arcade Cristalline, ça va réfléchir au compo et ça va repartir pour le troisième BO3 entre les deux équipes. Hop là. 2 BO3 à 0, j'appelle. Hello Edu, what's up? Como estas? Coucou Punisher, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a la Team Purple Red qui arrive en renfort pour les prochains matchs. Et heureux à peau. Allez, ça réfléchit à la compo. Ban Rosa pour les deux équipes, évidemment. Hein, les bans sont valables pour les deux équipes, naturellement. Team Purple Red en force. Ça fait plaisir. Ça va très bien, et toi, Ikir?
Est-ce qu'il m'a répondu, Edu? Non, il n'a pas répondu. Coucou, aïe, aïe, aïe aussi, j'avais pas vu dans le chat, tu vas bien? Ça y est, c'est reparti. Du coup, entre les deux équipes, troisième BO3, les amis. Pour l'instant, 2 BO3 à 0. Vous le voyez, pour Code Magic Black, ça se passe très bien. Et on a une compo. Ah, c'est marrant, on n'a pas d'Elisa côté. Côté Code Magic, c'est vrai que sur cette map, je l'apprécie énormément. Mais double Sprout au milieu, évidemment. Je rappelle hein, quand Sprout n'est pas ban, vous le jouez et puis c'est tout. Et par contre, ils ont pris un Brock Elisa de chaque côté, alors qu'il y a la compo. Bah, peut-être un peu plus. Que j'ai un peu plus d'habitude de voir Nita Elisa. J'ai dit Brock Emery, j'ai dit Brock Elisa. Je crois que je me suis trompé, mais bon, c'est pas grave. Ah, le 1v1, il va manger un petit peu d'herbe. Le petit gadget. Ah, c'est là pour l'instant une belle domination. La part des codes magiques. 6 gemmes à 1. C'est compliqué. Lunch qui est obligé de mettre son ulti. Récupérer des points de vie. L'agression de Blaze qui passe. Ah, c'est bien joué la part des couacs là. Il a très très bien visé tout ça. Par contre, il récupère tranquillement le milieu de terrain, les bunkers. Ok, ça touche les couacs sur le côté gauche. Ça touche toi, nous à droite. Ah, et quoi qu'il ramasse. Ah, il faut pas le laisser faire ça. Ah, ils l'ont vraiment laissé faire. Il y avait 2 gemmes au milieu. Ils les ont vraiment laissés. 9 gemmes à 2. Il n'en reste plus qu'une pour entamer le compte à rebours pour les codes magiques. Ah, ils ont mis la zone. Ils vont pouvoir remonter. Ah, le bel ulti de Watabi. Ça, c'est bien joué de sa part. Ça permet de temporiser un petit peu. Blaze qui va tomber très très vite, malheureusement, côté gauche. Oh là là, Lunch aussi. Ah, la gemme. Il pourra pas l'empêcher de. Allez, quoique de la récupérer. 11 gemmes à 4. Et ça va être très compliqué avec ces compos de récupérer les gemmes. Très très compliqué. S'il n'y a pas de Jhin ou de Tara, là, tenter un retournement de situation va être quasi impossible. Hein. Quasi, quasi. Ah, il ne le tente même pas. Du coup, c'est une première victoire dans ce BO3 gemmes de la part des Code Magic Black qui s'offre 2 balles de match. 2 balles de match pour les Code Magic Black. Ça se passe très très bien. Pour l'instant, pour eux, on va voir. Est-ce que ça va changer peut-être de compo pour la prochaine game? Côté BK, s'adapter un petit peu au compo des codes Magic. On va voir ça. Je regarde qui je vais devoir affronter en division 1. Pas mal de prendre de l'avance. Coucou, merci Pilami. Encore coucou à tous, hein. C'est la première fois que je vois pas de Pam. Oui, Pam aussi, c'est vrai que Pam, on voit beaucoup, beaucoup de Pam sur cette map. T'as tout à fait raison. Je pensais à la Elisa sur le side, mais la Pam également. C'est vrai qu'on voit, on a pas vu. Je trouve ça tellement fort sur cette map. Merci Wirehog, c'est très gentil de ta part. Alors du coup, c'est parti sur le Poco double tank. Côté bunker. Du coup, 2 gemmes partout. Pour l'instant, Lunch qui va tomber. Le petit gadget de Toinou qui va passer. Ah, ça les met tellement dans la sauce là, le move de Toinou. Les bunkers, parce qu'il fait le kill, il les met en difficulté, il fait reculer 2 personnes. Et en plus, il met le gadget pour ce heal 100%. Et à chaque fois, il y a 2 personnes qui doivent aller le gérer. Il met une pression terrible, du coup, les codes Magic qui mènent 4 gemmes à 3. Oh, c'est le tout début de la game, hein. Il y a le temps de voir encore. Merci Hashtags pour ta nouvelle vidéo. Je ne sais pas, je vous jure, je suis en ne pas déranger, je ne sais pas pourquoi ça apparaît. Du coup, le gadget de Watabi pour prendre des points de vie, Tonu qui va tomber et donner une petite 5e gemme au bunker. Une 6e qui va tomber. Hop là, ça c'est fait. Ça va, ça heal tranquillou derrière. Une 7e. Ah, ils sont pas mal, hein. Ils ont milieu de terrain. Là, la compo double tank qui fait très très mal. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. 8 à 4. 8 à 4. Est-ce qu'il va pouvoir aller le heal un petit peu? Oh, le double kill de Lunch. Le double kill de Lunch. Il attend pas une 10e gemme, Watabi. Ça aurait pu être quelque chose de faisable. Ouais, il aurait pu essayer de l'attendre, je pense, sans prendre de risques. Au cas où, comme ça, Lunch pouvait aller prendre un petit peu des risques. Mais ça devrait aller quand même. L'ulti de Lunch, l'ulti de Watabi. Ça va passer pour les Bunker eSports Silver qui égalise. Belle game. C'est bien là pour le moral de gagner cette game. Ils montrent qu'ils sont encore là. Égalisation un partout dans ce BO3 de gemmes. Attention, attention. Peut-être. Est-ce que c'est une remontada? Est-ce que vous pensez que ça peut être une remontada? Un début de remontada de la part des bunkers. Ça en est où actuellement niveau classement? Si tu parles de la division 2, après la game, je vais vous remettre tout ça. Parce que vous arrivez très tard hein, pour cette ESL.
J'ai déjà expliqué tout ça, mais juste pour vous, entre les deux matchs, les deux prochains matchs, je vais vous réexpliquer tout ça. Ah, JKI, c'est la méta. Chaque méta, voilà. Il y a des méta très distance. Il y avait une méta où on voyait que de la Piper dans tous les modes, dans tous les sens. Quand Piper recharge était là, on la voyait même dans toutes les games, hein, sur toutes les maps de braquage et de siège. Piper recharge. Quand le Star Power recharge est sorti, c'était de la folie, hein, très très clairement. Mais voilà, à chaque méta, bah, c'est des nouvelles compos qui sont préférées. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, Poco double tank, Wally. Voilà, on voit pas beaucoup d'autres choses. Si Elisa, évidemment, beaucoup d'Elisa, évidemment. Coucou Robin, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Vive la méta Carlos. La méta Carl. Tu parles de Carl? C'est qui Carlos? 50% de reload, c'était tier S. Ouais, non, mais ça, clairement, ouais, là, c'était vraiment trop fort. Hein. Vraiment trop, trop fort. C'était peut-être pas aussi fort que Sprout quand il est sorti, mais c'était quand même costaud. Hein. Alors, ça prend le temps de réfléchir à la compo un partout. Hein, dans ce troisième, dernier BO3, deuxième balle de match pour les Code Magic Black. Du coup, ils se sont fait remonter une game. Ils veulent vraiment réfléchir à pas se faire remonter un BO. Merci Ectoplastron, c'est gentil. On veut une méta arcade. Peut-être falloir le décélérer un petit peu, on va dire. Coucou Artol, la forme. Ça y est, c'est parti. Entre les deux équipes, on est reparti, les amis. Deuxième belle de match pour les Code Magic. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme compo? À nouveau, Poco double tank côté bunker. Mais ce coup-ci, c'est avec un Frank, les amis. Il n'y a plus de Jackie, mais il y a du Frank. Et en face, hyper range control. Et oui, ils ont prévu, hein. Ils ont prévu le pick double tank. Et du coup, ça a pris la BA, évidemment. La grosse BA. Ouais, par contre, oh, ça va être tellement dur pour les tanks de passer. Ça va être tellement dur. Je dirais presque impossible de passer pour les tanks face à cette compo. Pour l'instant, 3-1, 4-1, 5-1 pour les Code Magic. Et le heal pourtant, hein, Watabi, il arrête pas de le heal, mais non, de heal Blaze, mais ça ne passe pas. À gauche aussi, Lunge qui perd son 1v1 contre toi, nous. 7-1, est-ce qu'ils vont réussir à remporter quelques gemmes, à ramasser quelques gemmes dans cette game, les bunkers? Il tente tout. Ah, il se fait ralentir et il va tomber. 9 gemmes, il n'en reste plus qu'une pour les BK. Blaze qui tente de mettre la pression très très haut, très très loin. Mais ça ne va pas passer. Il va tomber malgré tout. Et il faut ramasser cette gemme. Watabi. Alors c'est Lunge qui est obligé de la prendre. Il faut faire attention à ça. Ça peut être très dangereux. Ok, la zone qui est posée. Lunge qui a l'ulti. Est-ce qu'il tente de le mettre? Est-ce qu'il faudrait... Ah non, non. Le problème, c'est qu'il ne peut pas casser face à une BA. S'il casse, il va faciliter, hein, tout simplement la tâche à BA. Donc c'est très, très compliqué. Il prend des risques, Watabi, parce qu'il faut ramasser cette gemme. Sinon, ils en ont 10. Il le sait. Il le sait. Et il va tomber. Et ça nous fait du 16 gemmes à 0 pour les Code Magic. Peut-être pour ce 3-0. 5 secondes. Et ouais, ça va être trop dur. On n'a pas vu, je crois, un seul ulti de Lunch. Hein, mais c'est pas qu'il est mauvais sur Frank. C'est juste qu'en face, il y a vraiment la compo counter au possible. Et du coup, 3 BO3 à 0. Comme le premier match, les amis. Premier match, 3 BO3 à 0 pour les Four Elements. Deuxième match, 3 BO3 à 0 pour les Code Magic. Et ben, la semaine dernière, ça avait duré 3h30. Hein. On avait fait 20h, 23h30. A priori, ce soir, ça risque d'être un tout petit peu plus rapide. A priori. On va se coucher plus tôt. Les amis. Casey, il a quel âge? Ah, bonne question. Je l'ai rencontré à la PGW. Il doit avoir, je dirais, 17 ans. Je lui donnerais 17 ans. Mais c'est vraiment une estimation totalement personnelle. Je sais pas officiellement. S'il y a quelqu'un du staff Code Magic qui veut bien nous répondre. Pourquoi t'es pas en facecam? C'est juste pendant la game. Petit poussin, ne t'inquiète pas. J'arrive, juste changer mon petit overlay. Et hop là, c'est bon. C'est fait, ni vu ni connu. Il a 16 ans. Merci Paolo. Si c'est une info officielle,
Si c'est une info officielle, on va voir ça. Du coup, les amis, ça a été, je crois, mis à jour. Je crois, on va vérifier. On va vérifier tout de suite le programme. Oh là là, mais quelle régie! Mon Dieu! Ah, mais je rêverais d'avoir une régie comme ça tous les jours, hein, s'il vous plaît. Combien vous prenez? On peut s'arranger. Merci beaucoup, mon petit Sensei, pour ton 13e mois. Merci infiniment. 13 mois que tu me soutiens, que tu me suis, que tu me soutiens. Tu fais partie des tout premiers. Tu as le petit badge du premier, du first en rose, un de mes 10 premiers abonnés. Merci infiniment. Merci beaucoup. Du coup, voilà, 3-0 pour les Four Elements, 3-0 pour les Code Magic. On va pouvoir passer à la troisième rencontre de la soirée, les amis. Les Urania Academy versus les Purple Red. Les amis, ça va partir maintenant, tout de suite. Troisième rencontre, la voici, la voilà. On va aller faire le tour des équipes. De rien. Bah, merci beaucoup quand même. Non, non, merci vraiment beaucoup. C'est qui le winner du giveaway de hier? La carte. La carte, c'était Apo. Et le Discord Nitro, c'était Dobichoco. Voilà. GG, je repars. GG à toi et Quack. Et à toute la team, évidemment. Et puis à la semaine prochaine, hein? Voilà, à la semaine prochaine. Du coup, Purple Red versus Urania Academy, les amis, on va aller checker ça tout de suite. Les Purple Red, les voici, les voilà. Mais non, c'est bon, c'est pour après qu'il y a un changement. Madness, Nadzu, Aro, FK et Vermax. Côté Urania Academy, aïe aïe aïe, Marsu, je l'appelle Marsu, il le sait. Je lui ai demandé l'autorisation, il a accepté. Hein. Rico et Serenity. La régie, est-ce que ça a été le. Ah ben non, ça il faut que je le change moi-même ou pas? Est-ce que c'est un dynamique? Ce que vous avez mis sur Discord, est-ce que je dois le changer moi-même ou ça a été changé sur Discord? Sur Dropbox, excusez-moi. Voilà, donc du coup on est parti pour cette troisième rencontre de la soirée. Urania Academy versus... bah tiens, bah, je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Je vais aller voir. Hop, hop, hop. Je vais me mettre ici. Voilà, quand même, je reviens un petit peu avec vous. Coucou Maze, tu vas bien, mon grand? Attention, Rico Code, évidemment, ceci. C'est très beau, hein? Ton dessin est très beau. Si tu m'entends et si tu parles français, Rico Code, vous ne voyez pas ce qu'il a mis dans le chat. C'était un magnifique dessin fait uniquement avec des accents circonflexes et des petits points comment il s'appelle? De Shrek. Voilà, c'était magnifique, mais malheureusement, j'ai pas autorisé le spam comme ceci. Modifier sur le dynamique. Merci infiniment. Je vais quand même le mettre à jour manuellement au cas où. Comme ça vous redonne l'occasion de revoir le roster Urania Academy. Voilà, les Blue Fire, on vérifie. Non, bah, j'ai bien fait parce que ça ne s'était pas mis à jour. Tac, tac, tac. Mais du coup, c'est pas dans le dynamique, c'est dans les ressources. Attends. Parce qu'il n'y a, y a pas les équipes dans le dynamique, si? Équipe, c'est pas dans les bans, c'est pas dans les in-game, c'est pas dans les résultats. Alors, c'est pas dans le dynamique. Oui, dans ressources, voilà, tu me rassures. Tu me rassures. Hop là. Du coup, nos petits Blue Fire, ils sont là. Et ils ont lancé. Les amis, on va pouvoir changer, y aller tout de suite. On regarde très vite fait, du coup, les bans pour cette rencontre. On a ban Jackie versus ban Elisa. On est parti, les amis. J'ai presque raté les 10 premières secondes, hein, juste le temps d'un but. C'est allé très très vite de la part des Urania. C'est allé extrêmement vite. Hop, 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 hop. Voilà, le score à zéro. J'avais oublié. Ils sont allés aussi très très vite entre les deux équipes. Est-ce que ça va être un deuxième but déjà de la part des Urania? Oui, voilà. Voilà. Bah, comme ça, voilà. Hein. Urania, 1-0. J'ai pas eu le temps, hein. J'ai pas eu le temps de vous montrer les bans qu'ils avaient déjà mis deux buts. C'était allé très très vite. GG à eux. La compo, bah, totalement miroir, hein, vous avez vu. Poco double tank à base de Frank et Bibi. Sur cette map qui a fait très mal. Du coup, clairement, en compo miroir, ils ont montré qu'ils dominaient un tout petit peu plus. Je vais mettre les purple côté bleu. Ce coup-ci, pour le score, ça va être un peu plus visible. Les amis. Screen inversé. Oui, absolument, Varkan. Je te remercie. Ils ont l'œil partout.
Je me suis trompé de personne à spec. Ça va être modifié tout de suite. Coucou toi nous, GG à toi. Vous avez fait une très belle rencontre. Dommage la petite game où il y a eu la déconnexion. Mais à part ça, c'était très propre. J'espère que le mauvais côté... Oui, je viens de le dire, je viens de le dire. Oui, il faut que j'inverse, absolument. Faut que je regarde les purple côté bleu, mais à coup pas au grand partenaire des purple. Voilà, je les mets en bleu pour la prochaine game, c'est promis. Est-ce que je dois rester? Je viens de finir mon match de tennis et j'ai la graille. D'accord, ok. Non, c'était pas pour moi, ça. C'était pas pour moi. Attention, la deuxième game entre purple red côté... Bleu, hein, ce coup-ci. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est bon. Purple Red, côté bleu. Urania, côté rouge. La première game est allée extrêmement vite. De la part de Urania Academy, on laissait très très chaud. Hein. Les Urania Academy, en ce moment, je l'ai dit au début du live, la première, c'est déjà un but. C'est déjà un but! J'ai les espec hier en tournoi. Ils étaient on fire. Et ils le sont encore ce soir, hein, très clairement. Le gadget très très tôt. De la part de Vermax, pour justement permettre à... à Arrow d'aller agresser. L'huile de Vermax qui passe crème sur Arrow. Oh là, mais ça joue très très bien. Ça prend de vitesse. Ah, il va pas faire le kill. Mais ça a mis terriblement la pression. Il se fait repousser là. Oh, le petit walk avait été raté de la part d'Aïe. Ok, la pression d'Arrow. Ah, il est obligé de repartir sur Rico. Voilà qui passe. Oh, allez, le but de la part d'Ebanes. Alors, c'est du tout ou rien. 2-0 d'un côté, 2-0 de l'autre. À chaque fois en 30 secondes, ça va très, 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 très vite entre les deux équipes. Du coup, un partout dans ce BO3. Je vous remets les bannes au cas où, parce que c'est vrai qu'on est allé très, très vite. Jackie et Elisa. Vous le savez, hein, sur cette map, Elisa est vraiment beaucoup trop jouée. Enfin, beaucoup trop jouée. Elle n'est pas beaucoup trop jouée, mais... elle est jouée normalement parce que bah, tout simplement elle est hyper forte sur celle-ci. Du coup, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Parce que si elle n'est pas ban, clairement, on voit forcément une Elisa sur cette map quasiment toujours. Et c'est du coup déjà reparti entre les deux équipes. Ils ont faim, hein. Ils ont très très faim. Ils relancent immédiatement à chaque fois. Ils veulent en découdre les deux équipes. Oh, la passe pour Rico. La passe pour Rico. Et la passe pour Rico, un premier but de la part des Urania. Ouh là là, mais ça va... Non mais c'est incroyable comment ça va vite. Par contre, ouais, encore une fois, c'est du tout ou rien. Et par contre, ça a pris la BA, hein. Côté aïe, côté Urania pour counter le double tank, l'ulti qui part trop tard de la part de Vermax. Ouh, heureusement qu'il repasse pour Vermax, sinon c'était le but assuré. Mais quand même, ils sont très très bien là en 3v2. L'ulti Serenity qui va tout casser, Eriko qui va rentrer... Bah c'est bien, 3 games de 30 secondes, 1 minute 30 pour 3 games, c'est plutôt correct, hein. Du coup, Urania Academy qui remporte ce premier BO, les amis. Les bans, non mais c'est pas possible, j'arrête pas d'en parler des bans. C'était Elisa et Jackie. Elisa et Jackie pour cette map. Hop là, je reviens, je te les remets, petit poussin. Je te les remets, voilà. Elisa et Jackie, écoute un peu au cassé. Compo counter. Bah oui, mais ils ont raison. C'est exactement comme Code Magic, on a vu tout à l'heure prendre la BA. Évidemment, la BA counter énormément les double tanks. Hein. Évidemment. À 22h30, on sera tous au lit. Ah bah oui, là c'est vrai que ça va très très vite. Hein. Clairement, on va du coup partir tout de suite sur le deuxième BO3 en prime, les amis. Map de prime, excusez-moi, je l'ai noté, la map de prime, c'est Grand Canal. Grand Canal, les amis, et du coup, il y a du ban Jackie et du ban Sprout. Jackie, bah, comme d'hab, hein, pour éviter Poco Jackie qui fait beaucoup trop mal. Même sans Poco, on a vu que sur la map Millefeuille, juste avant, dans le match avec Code Magic et Bunker, on a vu que même sans Poco, ça restait quand même très très fort, Jackie. Ça fait très très peur. Du coup, pas de Jackie, pas de Sprout dans ce BO3 de prime sur Grand Canal. Ça va repartir très rapidement. Hop, les petits scores à jour. Voilà qui est fait. Le classement de la Division 2. Ah oui, j'ai pas eu le temps, je crois, entre les deux. Le classement de la Division 2, très vite fait. C'est ma faute, je crois que je devais en parler entre les deux matchs et je crois que j'ai pas eu le temps. Et du coup, classement général de la Division 2, pour l'instant,
Le voici, invaincu, Activium et Bunker Silver. Alors, pas encore à jour par rapport aux games qui viennent de se faire. C'était les games par rapport aux deux premiers jours seulement. Et on va vous mettre ça à jour pour la suite. Attention, un BO3 à 0 pour les Urania Academy. Côté rouge, les amis. Les Purple Red, ils ont fait une excellente game où ils ont mis 2-0 en 30 secondes. Et derrière, ils ont été un petit peu en difficulté en gemme. 3-0. Ah, ça se passe mieux là pour les Purple. 5-2. Niveau compo assez classique, mine de rien, des deux côtés. Le Jean reste un choix très fort. Le sniping de Madness qui est magnifique. Double tick, double Piper, ça c'est très classique. Après, Brock, Jean, ce sont des choses qu'on peut voir. C'est vrai qu'on peut voir du Mr. P des fois, même si vous savez, je ne suis pas très fan. On a eu ce débat-là hier soir, hein, lors du tournoi d'hier soir. 8-2 pour les Purple Red. Ça se passe bien pour eux pour l'instant dans cette game. Ok, ça se jauge. Oh, le sniping de Madness. Il est incroyable. Hein, je le découvre un petit peu là sur la Piper. Et il est pour l'instant très très bon. Attention là, au moment où je dis ça. On le sait, je porte malheur. En général, à chaque fois que je dis ça, ça se passe très mal pour l'équipe concernée. Du coup, faut que je fasse attention. Les mines très bien placées là en défense de la part de Vermax. Le kill sur Serenity, le kill sur Aïe Aïe Aïe. Double kill de Badness. Incroyable, 12-2 pour les Purple Red. Le réveil des titans. Ah oui, on est d'accord Robin, il est vraiment on fire sur sa Piper. Vermax là par contre qui s'est très très avancé. Ok, le petit gadget en repli, c'est bien joué. Là, est-ce qu'il y a un moyen de retour possible? Alors, il y en a plus. 14-2, il n'y a plus de retour possible. J'imaginais s'il tuait tout le monde. Mais non, c'est pas possible. Eh oui, 16-2, énorme. Énorme cette game, là, des Purple. On voit que c'est... Mais je me méfie, hein. Je me méfie. Le BO3 précédent, ça s'est joué une game du tout ou rien pour l'une des deux équipes. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose? On va voir ça tout de suite. GG, mais bon, Punisher content, évidemment. Le prochain match, je vous le mets aussi pour ceux qui viennent d'arriver ou quoi. Prochain match, donc là on est sur la troisième rencontre de la soirée. Donc Urania Academy versus Purple Red. Et il nous restera du très très lourd pour finir. Activium versus Blue Fire, les amis. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des Activium dans le chat? On a Mamat dans le chat, est-ce que j'en ai vu? Le classement sera mis à jour à la fin du match 4. Mais oui, merci beaucoup Varkan, c'est très gentil de ta part. Très très gentil de ta part. C'était pas une réclamation hein, que j'avais fait évidemment quand je parlais de ça tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Madness OP dans le chat, on nous dit. Du côté des Purple. Ok, la première étoile récupérée par Arrow. Et vous voyez, ben voilà, on parlait du Mr. P tout à l'heure. Il est là, Monsieur M en français, il est là. Moi, je rappelle pourquoi je suis pas forcément toujours fan. Du Mr. P, c'est qu'il peut mettre des fois beaucoup de temps à charger son ulti et qu'il peut être value ce personnage qu'en fin de game. Mais là, on voit qu'il a déjà mis énormément de coups. Il doit être, à mon avis, à un coup, deux coups maximum de son ulti. On va voir ça. Là, ça n'a pas touché non plus. Un coup ou deux, c'est à peu près sûr. Il n'y a rien qu'à toucher là non plus. Ça touche. Et ben voilà, vous avez vu, il a l'ulti. Il va le mettre tout de suite le spawner. Et hop, c'est parti. Et derrière, il va prendre l'agression sur Rico. Un kill à droite sur Serenity, un nouveau kill à gauche sur Rico, 7-0 de la part des Purple. Ça enchaîne hyper vite. On va faire le match suivant, les amis, qui composent le roster, etc. Je l'explique après, évidemment. Soyez un petit peu patients. Ok, 9-0, 11-0, ça enchaîne. Attention, le petit grab qui peut... Et potentiellement embêté un peu, mais non, c'est pas pour tout de suite. Peut-être quand il va revenir. Oh là là, l'ulti. Ah, j'ai cru que l'ulti d'Aro allait faire double kill. Il en a tué qu'un, ça s'est joué à pas grand-chose. Le méga pingouin qui va à la chasse de Rico. Et non, finalement, ça change de focus, ça va sur Aïe Aïe Aïe. Qui est obligé de mettre deux roquettes dessus. 15-2. Serenity qui prend une roquette. Ah, ils sont larges, 17-2.
Et les amis, c'est l'égalisation. Un BO3 partout entre les deux équipes. Un BO3 partout, ça joue très très bien des deux côtés. Mais on voit qu'il y a peut-être des équipes qui ont des préférences sur chaque mode, sur chaque map. Il y a peut-être des équipes qui ont des préférences, vraiment. Et là, c'était la map des Purple. Hein. On peut rien dire d'autre. C'était la map des Purple. Du coup, un BO3 partout. Alors, ça fait plaisir. On va pouvoir avoir droit à un quatrième BO3, au moins pour une rencontre ce soir. Ça fait plaisir, quand même. Ça m'aurait embêté hein, que tout soit en 3-0 ce soir. Martin qui nous dit Activium forever. Forever. Du coup, on part en BO3 de Razia GM, les amis, sur Échappé Vélos. Avec comme ban de la part des deux équipes. C'est fini. Hein. Je crois que les 4 dernières équipes, elles ont bien envoyé leur ban. Contrairement à Bunker juste avant. Et donc... non, pas à Bunker, excusez-moi. À Code Magic, excusez-moi. À Code Magic. Donc, pour ce BO3 de Razia sur Échappé Vélos, ban Sprout et Jackie. De toute façon, vous voyez que Urania a vraiment une dent contre la Jackie. Elle est ban quasiment tout le temps. Et du côté Purple, c'est plus contre Sprout. On va dire que c'est un peu plus mitigé. Du coup, ça va repartir pour ce troisième BO3. Sprout et Jackie. Il faut que je fasse attention parce que je crois que la première semaine, il y avait eu des... Il y avait eu des pics de perso ban. Donc il faut que je fasse attention à ceci. Et là, on est bon. Du coup, on a du double Jinmi, double Rosa Side. Et on est parti. Screen inversé par rapport aux couleurs. Ah, le screen des... Il faudrait que je fasse attention parce que là, on est bien. Purple est bien côté bleu. Par contre, j'ai oublié d'enlever le score. Ok, faudrait que je vois. Attention, pour l'instant, 4-1 pour les Purple. Le ricochet qui a un petit peu du mal. C'est pas évident, ricocher sur cette map. Hein. J'en vois pas si souvent que ça. Pas évident. Ok, le grab, c'est bien joué de leur part. Ils sont en 6-0. Ils sont en 7, en 8-0, les Purple. Le réveil, ils ont perdu le BO3. De Brawl Ball, le tout premier. Et derrière, ils ont dit, attends, ça va pas se passer comme ça. 9-0 pour l'instant dans cette game. Là, la dernière gemme qui peut coûter très cher. Attention de pas trop grid. Et hop, là, ils sont partis la chercher. Il y a Vermax qui a donné de sa personne pour aller tanker, pour être sûr qu'ils n'allaient pas se faire grab. Du coup, 10-0, un nouveau kill. Vermax là, qui risque de tomber, laisser le tempo un maximum. Le grab sur Serenity. Et ça va passer, du coup, 1-0 pour les Purple Red. Ça se passe bien. Et alors, du coup, je vais revenir ici. Et j'ai pas compris, du coup, ta remarque. Le screen est inversé par rapport aux couleurs. Mais non, j'ai l'impression que tout est bien, non ? Coucou Dr. Ice du coup. Ah non, c'est good. Ah ben d'accord. Ah ben voilà. Ben là, ouais, ben c'est good. J'ai pas vu où est-ce que ça allait pas du coup. Merci pour tous les follow encore. Hein. Merci Rico Code. Merci Jackson Ify. Merci Unique148. Merci à tous. Bienvenue dans ce championnat de France. Deuxième division. C'est la punition. Ah, c'est pas mal. Vous l'avez travaillé ça, non? C'est la punition? C'est pas mal. En ligue de clan, je vais attaquer. Oui, d'accord. Ça, éventuellement, on en reparle après. Hein. De Clash of Clans, on en reparlera après. Attention, c'est reparti pour les Purple versus Urania Academy. Balle de BO3 pour les Purple. Ils ont repris la même compo. Et ça a changé en face. Ça a pris la petite Emery sur le side. Pour essayer de contrôler un peu plus le terrain. Et éventuellement, pour essayer de trishot le spike aussi. Hein, clairement, là, Elisa, elle trishot le spike. Pour l'instant, un peu plus en difficulté. Rien n'est joué, un grab bien placé est un grab qui fait mal. Hein. Je sais pas, Joël, si vous voulez, vous pouvez me citer hein, si vous le dites un jour. Attention, 4-1 pour les Urania Academy pour l'instant. Manes qui va aller chercher une gemme en plus, deux gemmes en plus. Attention le grab, attention, il faut pas s'enfermer Manes. Ok, 4-3, ça se resserre un petit peu. Rico qui fait le café hein, sur le côté droit avec sa Rosa. Il a pour l'instant gagné tous ses 1v1.
Là, c'est très dangereux de la part des djinns de tenter d'aller chercher une gemme. Ils le savent très très bien que le grab peut très très vite partir. Et ça y est, il est parti du coup. Mais ça va... Oh là là, mais ça a pas joué en sa faveur. Il a grab et ils se sont fait double kill, triple kill suite au grab. Ah, il faut faire attention à ça parce que ce genre de grab peut bait un petit peu. Et c'est l'impression que c'est ce qui s'est passé actuellement. 3 secondes, 1 seconde, le grab de Madness. Alors, oui, c'était à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la zone de d'Emery. Du coup, il a tenté totalement à l'aveugle. Et du coup, égalisation. Un partout entre les deux équipes. Je sens que ça va être serré. Est-ce que vous pensez que ça va partir en 5 BO3 dans cette rencontre? Franchement, je pense, hein. Coucou Lou, comment vas-tu? J'ai pas eu la notif. Eh bien, écoute, si un jour je deviens partenaire Twitch, normalement, tu devrais la recevoir beaucoup plus rapidement. Mais là, tant que voilà, les affiliés, on a beaucoup de mal à ce que les notifications partent. Je me bats un petit peu hein, avec ça, à ce sujet, avec Twitch. Je leur ai déjà envoyé des réclamations, etc. Leur dire que voilà, les non-partenaires, on avait quand même beaucoup d'épines dans le pied. Et ça, notamment, les notifications, elles partent vraiment pas toujours. Et le seul moyen pour être sûr et certain que je live, c'est être sur mon Discord et avoir activé les notifications Discord sur les notifications pardon sur mon Discord pour être sûr que voilà de pas rater un live. Merci GKS. On le notera pas. Du coup, un partout dans ce troisième BO3 entre Purple Red et Urania Academy. Balle de 2-1. Coucou Fapo, comment ça va? Il y a eu combien avant? Avant, c'est-à-dire, avant à quoi? Tu peux m'envoyer le lien de ton Discord. Point d'exclamation, Discord, tout simplement, dans le chat. Si un modo veut te le faire, ou toi aussi, tu peux le faire. Hein. Tu peux prendre ton courage à deux mains et taper point d'exclamation Discord. Merci Itachi, c'est gentil. Attention, on est reparti, du coup. Même compo, hein, côté purple, ils viennent de perdre cette game, mais ils savent que c'est pas un souci. Ils peuvent très bien... Oh, le grab qui peut partir. Ah, il sait qu'il domine, hein, Serenity. À partir du moment où il a le grab et pas vers max, il sait très très bien que... voilà, il a... Oh, le bon gadget, là. Il domine très légèrement. Il va aller chercher cette gemme. Est-ce qu'il va aller chercher l'autre? Oui, il y va. Attention, Arrow. Le 1v1 contre Rico. Pour l'instant, l'avantage d'Arrow... Et oui, tout à fait. C'est passé. 3-2, du coup, pour Purple. Le grab de chaque côté. Attention. Ça peut partir. Il le sait vers max. C'est pour ça qu'il va pas chercher cette gemme là à droite. Il sait que ça peut partir. Il sait qu'il est attendu par Serenity. Et hop. Et comme Arrow a mis la pression à droite, du coup, vers max peut avancer. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Attention. Ouh là là, le grab aurait pu partir hein, du côté de Serenity. Ok, le 1v1, Rico, Arrow. Il remet l'ulti, Rico. Il préfère temporiser vers Max. Il a tout à fait raison. C'est marrant parce que pendant le grab, Madness qui avait récupéré les deux gemmes qui manquaient pour les Purple, hein, côté bleu. 8 à 4. Ok, Arrow qui va mettre la pression. Est-ce que vers Max le tente? Il y a deux gemmes au milieu. Il a tenté de prendre les deux gemmes au milieu. Il fait même le kill sur Rico à droite. Et là, il faut faire très attention au grab, il le sait. Hein. Il le sait qu'un grab à l'aveugle peut partir. Arrow qui se met devant. Eh ben tiens, c'est cadeau. Il attendait que ça, Arrow. C'était de se faire grabber. Et du coup, les amis, c'est une deuxième victoire dans ce BO3 de la part des Purple Red. Qui du coup mène 2 BO3 à 1. 2 BO3 à 1 pour les Purple Red. Qui ont perdu, il me semble, hein, le premier BO3. Et derrière, ils enchaînent. Très très bien là pour l'instant. C'est évidemment très loin d'être fini. On va partir sur un quatrième BO3. Les amis, quatrième BO3 sur milieu de terrain. Center Field. Vous la connaissez. En Brawl Ball. Qu'est-ce qu'ils nous ont choisi de ban? Donc un ban Elisa et un ban Jackie. Ban Elisa, ban Jackie. Je bois une gorgée d'eau, je suis à vous tout de suite. Voilà, excusez-moi. Merci Lou, c'est très gentil de ta part. Tu as rejoint, tu as bien mis le captcha Lou, hein, le code de 6 lettres pour le Discord. C'est important. Hello Princess Henry. What's up? Such a long time.
Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, encore une fois. Merci Lucas pour ton follow. C'était il y a 2 minutes. Du coup, en Brawl Ball, sur Centerfield, Elisa et Jackie de Ban. Oh, ça va pouvoir partir dans quelques secondes. Annie, oh, excuse me, Annie. Excuse me, Annie. Princess Annie. My bad. Un giveaway? Non, il n'y a pas de giveaway aujourd'hui, Paolo. Je ne les ferai pas le soir de SL. On va se concentrer. Alors, je n'ai pas demandé l'autorisation, mais on n'est pas là pour ça. Là, c'est le championnat de France. Et quand j'en fais sur d'autres lives. Bah, d'ailleurs, notamment demain. Demain soir, je vais faire le tirage au sort de la box du giveaway de Twitter, la box Supercell, avec les goodies Supercell. Ce sera, je le ferai pendant le live demain soir. Voilà, tout simplement. I've been trying to learn some French now and I'm also interested in watching the USL. Yes, it's the French USL, of course. So maybe you don't know all the teams. But welcome anyway. Allez, c'est reparti. J'ai encore oublié de mettre mon score à 0. C'est pas possible, ça pue plus. Oh là là, attention, les Purple Reds, du coup, côté bleu, ils mènent 2 BO 3-0. Ils ont pris Sprout costaud. Ah, j'aime beaucoup le costaud sur cette map. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le costaud sur cette map. Avec l'Anita, du coup, en troisième. Et côté Urania Academy, il y a Sprout, Bibi et Franck. Allez, ça se vaut. Ça se vaut. Mais évidemment, quand il y a Sprout qui n'est pas ban, évidemment qu'il est joué sur toutes les maps. Oh, le sniping de aïe 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 sur Madness qui a fait très très mal. Qui a fait aïe aïe aïe. Pardon, Bonjour, Shrooms, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Attention, Haro, 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 Haro. Ah, il s'échappe. Il s'échappe. Non, il s'échappe pas si longtemps que ça. Toujours 0-0. 1 minute 40, on est très très large. I like to watch. Ok. Nice. Allez, c'est parti. Du coup, Haro qui va essayer d'avancer. Il a l'ulti, il peut faire très très mal. Hein. Il peut faire très très mal, Haro. Et ça y est, il est parti sur Ico. Il va évidemment. C'est très compliqué pour une Bibi. Une Bibi ne peut rien faire contre un costaud. C'est évident. La passe, parce qu'il ne peut pas passer. Ça, c'est bien joué de la part hein, d'Haro. Parce que là, je pense que dans le petit carré qui restait entre le mur de aïe 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 et le wall, le vrai wall physique du terrain, je crois qu'il ne pouvait pas passer. Du coup, il a juste envoyé le ballon devant et hop, Haro qui va faire le combo classique. Mais malheureusement pour lui, ça ne va pas passer. C'était très bien joué. Vermax, il va aller à l'agression sur aïe 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 qui va se faire bastonner par une Nita. Shiba en colère. Et le but derrière de Madness, ça part très très vite. Pour les Purple Raid, ça part très très vite. Voilà, Anita Shiba, un tout petit peu trop cute, hein, c'est Anita Shiba. Du coup, 1-0, balle de match, ça veut dire, les amis. 2 balles de match pour les Purple Raid. Pour l'instant, Urania Academy, ce n'est pas fini. Ça peut la purge. Ah ouais, vous avez réfléchi à tous les jeux de mots possibles. La purnition, la purge, ouais, c'est d'accord. Vous avez fait un dictionnaire, non, c'est ça? La purification, ouais, on peut en faire beaucoup comme ça. Coucou Léo, comment ça va? C'est le purgatoire, ouais. Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, si vous en voulez d'autres, hein, n'hésitez pas à rejoindre la Phoenix Family sur leur Discord. La putréfaction, ça rentre pas, c'est avec pur, hein, je crois pas. Hein. J'ai fait mon propre dictionnaire, d'accord. Du coup, 2 balles de match pour les Purple Reds, les amis. Ils mènent 2 BO3 à 1 et 1-0 dans ce quatrième BO3. C'était quoi la dernière map? C'était Toile d'araignée en prime. Est-ce qu'on va y avoir droit? On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Attention, Guillaume, les majuscules. Les modos, s'il vous plaît, faites-moi penser à ça. Il faut qu'on autorise plus de majuscules sur le chat, s'il vous plaît. Faites-moi penser à ça as soon as possible. On est reparti avec la même compo. Côté purple. Avec ce gros Franck. Ce gros Franck, ce gros costaud, excusez-moi. Costaud beaucoup trop cute. Et il avait pas ce skin à la première map, si? Haro, j'ai un doute. Il avait ce skin-là? Je sais plus. Oh, le petit gadget. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette prise de catch. J'adore cette prise de catch. C'est terrible. Coucou Tommy, comment ça va? Visuel des résultats? Ça veut dire quoi, visuel des résultats? Qu'entends-tu par là, Sancho?
Attention, Vermas qui a toujours pas l'Anita hein, qui pourrait faire la différence. Et Haro qui a pas l'ulti. C'est copié. Oh, l'ulti qui passe. Et ouais, c'est très très bien joué. La défense exceptionnelle hein, des Urania Academy là. Franchement, parce qu'ils étaient vraiment en difficulté. Et ils ont fait une défense absolument parfaite. Tu vois, ils ont fait un score. Ah oui, non, mais pas au milieu d'un BO, Poussin. À la fin du match, promis. Attention, Haro. Ouais, il va partir l'agression sur Serenity. Il va le tuer. En plus, il a le star power des dégâts. Hein, vous avez vu sur Frank. Est-ce qu'il va mettre un petit wall madness pour les empêcher de passer? Ah, il aurait dû. Hein, parce que là, ce petit coup de bump, il aurait dû le prévoir. Attention à ça. Vermas qui a toujours du mal hein, à débloquer son ours là. Voilà, le petit mur de la part de Madness. L'ulti de Serenity qui fait un kill. Oh, le Vermax qui survit à 500 points de vie et qui a enfin son ours. Il va pouvoir faire des petites choses. Ah, l'ulti, malheureusement, l'ours qui est un petit peu jeté et qui va pas donner un seul coup. Il s'est fait one shot. Ça, c'est un peu dommage. Oh là là, Madness qui a pris 3 bubules dans la tête. La passe. Oh, Haro qui a bien joué là. Le gadget très bien placé. Parce que sinon, Rico pouvait éventuellement prendre le ballon et aller très vite vers le but. Toujours 0-0. Ah oui, bah ça, oui. Malheureusement, le mur d'Ayayay qui a pas été le plus useful du monde. Étant donné que, bah évidemment, vous savez, quand vous sortez invincible avec la bulle d'invincibilité, vous cassez maintenant, enfin maintenant, depuis plus d'un mois, le mur de Sprout. Attention, la passe pour Vermax. Vermax qui n'a pas l'ulti. Avec l'ulti, il aurait pu tenter hein, le tir ult. Mais là, il n'a pas pu. Madness, seul. Madness, seul. Madness. Oh, Madness. Il a tenté le move solo 1v3. Mais ça n'est pas passé pour Madness. Il est encore dans la sauce. 300 points de vie. Oh, l'ours. Enfin, un bon gadget là. De la part de Vermax. C'était pas évident sur cette map de placer des bons gadgets. Le triple kill, les amis. Petite danse du Wi-Fi. Ni vu ni connu, hein, la danse du Wi-Fi. On l'a vu. Celle-là, elle est autorisée. Celle-là, elle est autorisée. Du coup, 3 à 1 pour les Purple Red. Les amis. Gros GG aux deux équipes. Vous avez montré une très, très belle rencontre. Ça fait plaisir à voir. Merci et GG à vous. On vous retrouve, évidemment, dans une semaine. Dans une semaine, petit spoil, Purple Red va jouer. Là, ils viennent de gagner contre Urania, mais la semaine prochaine, ils joueront contre Code Magic. Attention, ça, ce sera la semaine prochaine et on commencera la semaine prochaine à 20h, mercredi prochain, mercredi 10 à 20h, on commencera Purple Red versus Code Magic. Attention, alors que Urania Academy, eux, bah, joueront contre Urania. Bah voilà, voilà les deux rencontres de la semaine prochaine. À la semaine pro. Ah, et Quack, il est resté regarder cette game en mode, on va quand même regarder nos futurs adversaires. On sait jamais, ça peut servir. Hop, on remet le score à 0. Voilà qui est fait. Du coup, les amis, on va pouvoir partir sur la 4e et dernière rencontre de la soirée. Alors ça, ce sont les bans, mais c'est pas la 4e rencontre, c'est les bans de la 4e rencontre. J'avais le bouton mal placé. Activium contre les Blue Fire, les amis. Activium contre Blue Fire. Et dans les teams, on a donc Zinox, Hugonez, Mamat. Côté Activium, côté Blue Fire. Normalement, ça s'est mis à jour. Sterom, Nico, Adri et Azorb, les amis, pour jouer pour les Blue Fire. Est-ce que les joueurs sont prêts? Ils sont à 4 sur 6. Ça arrive. Ils terminent de remplir la room. Merci Discord 2 points, c'est gentil de ta part. Mais qui es-tu? Tu viens de follow à l'instant, mais t'as l'air de me connaître. Coucou Ali Lebes, comment ça va? Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. GG pour les games encore, hein, Purple Red et Urania Academy. Merci pour votre soutien, les amis, pour les deux équipes. Il y a eu du soutien pour les deux équipes. Merci à vous, c'est gentil. Et maintenant, c'est parti du coup pour les Blue Fire contre les Activium. On commence à voir des cœurs rouges partout dans le chat. Des cœurs rouges, des cœurs verts, excusez-moi. Du cœur vert dans le chat, évidemment. C'est la team Activium qui est présente.
On a donc le petit récap, la petite récap pour ceux qui viennent d'arriver. 3-0 For Lemons contre Urania. 3-0 Code Magic Black contre Bunker Esports Silver. 3-1 Purple Red contre Urania Academy. Et on part du coup tout de suite. Activium versus Blue Fire. Merci la régie. Encore une fois. Qu'est-ce que j'ai pas montré ? On a vu les équipes. Ah oui, oh, vite fait. J'ai oublié de changer mon overlay. Juste ça, il faudra que je vois pour la semaine prochaine. À faire ça encore un petit peu mieux. Voilà, la rencontre Activium Blue Fire qui est activée. Je peux revenir là. Ah oui, les bans. Voilà, il manque plus que les bans, les amis. On va partir du coup pour cette dernière... Et j'en perds ma voix. Pour cette dernière rencontre, Activium versus Blue Fire sur une première map de Brawl Ball sur League Junior, les amis. Et je sais plus qui on a mis côté bleu. On a Activium côté bleu. Ça, il faudra que je le note aussi. Ah, j'ai des progrès à faire. Hein. Je suis mauvais. On va partir avec Activium côté bleu, les amis, avec comme ban. Ils sont où mes bans? Ils sont là. Activium à ban. À ban Gaël. Oh. C'est pas un bug, hein. On est d'accord, c'est pas un bug, les amis. Les amis de la régie, non. Ils ont bien ban Gaël à toutes les maps. D'accord. Ok. Non, mais il n'y a pas de problème, hein. C'est la nouvelle méta, hein. C'est la méta tendance. On ban Gaël à toutes les maps. Voilà. Voilà. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, et du coup pour la première map hein, sur... Oui, non, c'est bon, confirmation de la régie, non, c'est bien vrai. Voilà. Et du coup, ban Sprout, là on a des bans un peu plus sérieux, côté Blue Fire, ban Sprout sur cette première map de Brawl Ball. Ça... C'est bon. Là il troll pas, c'est trop fort Gaël, bien sûr, hein. C'est la nouvelle méta. Des problèmes avec nos strats? Ah non, Ben, absolument pas. J'ai le plus grand respect pour vos strats, quand même, Ben. Qu'est-ce que j'ai avec cette histoire? Oh, Ben, il faut qu'on mette en place hein, les gladiateurs, là, avec Oscar, à tout prix. Il faut le faire rapidement. Ben, il nous a donné la meilleure explication. Il a dit quoi, Ben? Il a expliqué sa stratégie? Ah, on n'aime pas Gaël, il est pas beau. Ah bah oui, bah voilà, bonne strat. Bonne strat de la part de Ben, d'Activium, qui nous dit « On n'aime pas Gaël, il n'est pas beau. » Ma tête. Ouais, mais moi aussi. Oh, ben, ok. Ah, c'est original. Vogue ce soir. Ça peut se tenter. Si c'est à moi que tu parlais, ça peut se tenter. Alors, j'ai plusieurs rendez-vous ce soir, après les ESL, mais ça peut se tenter. C'est quoi la compo d'équipe? Ah, mais allez, ça suit pas! Je les ai mises déjà! Xinox, Hugo, Nez et Mamat! Côté Activium et côté Brofire, Sterom, Nico, Adri qui nous fait le plaisir de faire un petit remplacement et Azorb, les amis. Ça va partir incessamment sous peu. Et t'es pas ban d'office? Non! Aujourd'hui, la première semaine, il me semble, hein. Il me semble que c'est la première semaine où Gaël n'était pas ban d'office dans le championnat de France. Voilà. Merci pour tous les nouveaux follow. Merci Matt Fortnite. Merci les Molassons. Merci Sam. Merci à tous. Ça fait plaisir. Adri de Sigma Adri. De Blood Diamond Adri. De Oshigang Adri. De partout Adri, oui, c'est lui. je me moque pas, mais c'est vrai qu'il a des noms différents un peu partout. Mais il s'appelle toujours BD Adri sur le jeu. Tu l'appelles Sigma Adri, mais non, il est BD depuis. Hein. Enfin, il a été BD quelques temps, entre temps. Reben. Alors, ça va bientôt partir, les amis, hein, pour cette dernière rencontre Activium Blue Fire. Pas les plus coins, tu parles des plus pièces à mon avis, Kikou, parce que les soirs de catch comme ça, oui, Gogo, Mariana, quand vous voulez, moi je suis prêt, j'attends que vous. Les soirs de championnat de France comme ça, je tiens à avoir un chat assez propre, donc j'ai pas envie que tout le monde se time out à tour de bras,
me demande de spec la game la tête à l'envers ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà. Allez, les amis, on est parti. Enfin, les Activiens versus le Bluefire, première game. On rappelle, hein, Gaël n'est pas ban. Malheureusement pour les deux équipes, ils ne peuvent pas jouer Gaël, tristement. Et donc, on a du double PAMI, du double BA et du double Brock. Ça s'appelle une compo miroir. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de vocabulaire, je suis là pour vous aider. D'accord, Hartol. Ok, ok. Allez, du coup, Asinox un petit peu dans... Non, ça se passe bien. Ça passe bien, Adri, qui a un peu du mal. Ils sont très très bien, les Activium. Est-ce qu'il va pouvoir passer, Nez? Il prend pas le risque. Il laisse Xinox passer devant. Ah, c'est dur, c'est dur. Il aurait dû lâcher le ballon un peu plus tôt, essayer de charger son ulti pour aller casser les murs. Et il décide de pas casser les murs, mais de faire le kill. En soi, ça marche aussi, hein. En soi, ça marche aussi. On l'a vu, on l'a vu. Coucou, Retouette. Ça va très bien, et toi? Attention, c'est reparti. Le gadget tout de suite de la part de Mamat. Hein. On préfère le mettre trop tôt que trop tard, ce gadget. L'ulti de Xinox. Allez, le Nes qui va tout de suite mettre l'ulti. Il fait le... J'allais dire qu'il fait le kill. Non, il fait pas le kill sur Adri. Non, 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 non. Hop là, 2 kills à 0. Mamat dans la sauce un peu. Sterum qui fait un petit dégagement. Et bon, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il reste 1 minute 12. Tout est encore possible en compo miroir. Ok. Là, c'est vrai que ça se joue beaucoup aux ultis de Brock. Hein. Cette compo miroir, ça va se jouer beaucoup, beaucoup aux ultis de Brock. Qu'ils arrivent à casser les murs. Qu'ils arrivent à faire des dégâts de zone sur les adversaires. Hop, le kill sur Nico à droite. Aïe, 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 Xinox, il tombe devant. Ah, il a tenté. Il a tenté Nez, mais c'est pas passé. Oula, Adri. Oh, il va faire le kill quand même. Il va faire le kill, j'ai eu un peu peur pour lui. Mais c'est bon. Skin miroir aussi, on me précise dans le chat. Oui, absolument. Skin miroir, merci beaucoup de la précision. Ok, Adri qui va tout casser assez rapidement. Hop là, il se fait snipe. Ah, il va, ça va rentrer, ça. Ça va, ça va. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Oh là 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 là, la défense des Activium. Ah, je m'attendais au... Je m'attendais clairement au but. Mais non, du coup, c'est 1-1-0 pour les Activium. Ça va être serré, cette game, je pense. Ça peut être serré. J'ai perf, il reste 1 minute 48 en Ligue de Clan. Ok, ok. Ça va, je regarderai ça après le live, évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, je reviens avec vous. Est-ce qu'ils vont changer la compo ou ils restent là-dessus? On va voir tout de suite. Est-ce que du côté des Bluefire, ils vont se dire... On a du cœur vert dans le chat. Est-ce que du côté Bluefire, ils vont se dire il faut qu'on s'adapte pour essayer de les counter? Ou alors, ils restent sur la même compo? C'est compliqué hein, d'être à leur place. Voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et pareil, du côté Activium. Est-ce qu'ils vont se dire prévoir le changement de compo? Et c'est un petit peu ça, peut-être. Hein, avec le pic BA pour changer... Le pic Mr. P, pardon. Pour changer un peu à la place de BA. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et le but de Nez, déjà très vite. En 15 secondes, le premier but. 15 secondes. La tourelle dégâts au lieu de soin. Alors, attends. Je vais t'expliquer ça un peu après. Je vais t'expliquer ça un peu après. Nez qui va faire le kill sur Adri. Il va... Oh là là, ça... Pff, qu'est-ce que ça joue bien. Qu'est-ce que ça joue vite. Ça joue bien et vite de la part des Activium qui mènent déjà 1 BO3 à 0. Du coup, j'ai vu comme question, est-ce que la tourelle dégâts est pas meilleure que la tourelle de soins sur cette map? Alors, je vais dire que ça dépend un petit peu. En ladder, en multijoueur, hein, j'aime bien jouer le dégât parce que c'est fun. Mais je pense qu'à haut niveau, c'est pas mal de prendre le soin pour tout simplement... J'ai déjà répondu plusieurs fois, Lucien, non, 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 il n'y en a pas. J'aurais répondu à quelqu'un d'autre qui avait posé la question juste avant. Le soin, tout simplement, ça va te permettre de rester beaucoup plus longtemps en vie. Si tu restes plus longtemps en vie, tu vas pouvoir faire plus de dégâts. Voilà. Alors que la tourelle, si tu veux la poser de manière agressive,
Certes, elle va pouvoir mettre une fois, deux fois maximum 500 points de dégâts, mais derrière, tu vas très vite la perdre. Donc, c'est compliqué. La tourelle, ça fait reculer. Ouais, mais ça fait reculer une demi-seconde. Dès qu'elle est morte, voilà. Alors que si tu restes plus longtemps en vie avec un soin, c'est quand même plus costaud. Bah, c'est comme ça que ça se passe à haut niveau. On préfère largement. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'étais mal placé de toute la soirée. J'étais beaucoup trop à gauche, là. Enfin, à droite, pardon. J'étais beaucoup trop à droite. Personne ne me l'a dit. J'étais pas centré. Mais ouais, on préfère souvent le soin. Plus t'avances en niveau, plus tu préfères le soin. Comme sur Bartaba. À bas niveau, entre guillemets, on préfère Bartaba dégâts souvent. Et plus tu montes au niveau, et plus les gens vont jouer Bartaba soin pour tout simplement rester plus longtemps opérationnel sur la map. Tout simplement, tout simplement. Du coup, les amis, on va partir sur une deuxième map. Je viens de capter que le premier BO3 était fini. Deuxième map de prime sur sérieux danger avec comme ban, bah on le sait, hein, du côté Activium Gaël et du côté Blue Fire, Jackie. Merci. Oh, Tibisui, t'es un amour. Oh, Tibisui. Tu mériterais d'être modo, toi. Piu Piu, tu veux me faire? Hein? Ça veut dire quoi ça? Tu veux me faire? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, du coup, ban Gaël et Jackie pour le BO3 de prime. Un BO3 à 0. Les scores sont mis à 0. Faut pas que j'oublie. Et c'est bon. Dans les championships d'avril, les deux Code Magic étaient contre dans cette map et ils ont pris les dégâts. Après, chacun il fait comme il veut, hein. Chacun il fait comme il veut, mais le. Peut-être qu'ils se l'étaient dit entre eux, hein. Mais je pense le soin plus intéressant. C'est déjà ce que je fais, Jibril. Hein. C'est gentil. À bas niveau. Ah bah moi le premier, hein. Moi je joue Bartaba only DPS. Only dégâts. C'est trop bien, wesh. T'as l'impression d'être le plus fort du monde. Le Star Power soin de Bartaba te permet d'attaquer plus souvent. Moins besoin de recharger des PV. Donc le soin est beaucoup mieux pour Bartaba à tous les niveaux, selon moi. Oui, après, moi je suis le meilleur Bartaba du monde, du coup je me fais jamais toucher, et du coup je meurs jamais, et du coup j'ai pas besoin d'huile, en fait, c'est ça le truc. C'est pas une blague en plus. Non, mais des fois je dis à la fin, non mais je rigole, mais non là je rigole pas. Donc voilà, après moi, quoi qu'il arrive, je préfère vraiment, vraiment le dégât. Après, si un jour je devais faire une Coupe du Monde contre une équipe top monde, ça peut être un peu différent, mais. En 1, le problème, c'est que Bartaba dégâts, il restera toujours très très fort. Mais le 1v1 Bartaba dégâts contre Bartaba heal, c'est Bartaba heal qui va gagner. Forcément. Forcément, forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Merci pour les nouveaux follow. Bienvenue à vous. Attention aux majuscules. TTV, Just Jest. Attention. Alors, niveau compo, eh ben on a la compo miroir. Hein. J'ai essayé de bien regarder, mais c'est la compo miroir. Par contre, Xinox, il est parti sur le Star Power de la bubule. Et alors que Sterum est parti sur Star Power du heal. Avec Sprout, étoile récupérée par l'équipe Activium. Et Mamad qui va tomber l'ulti sur. Il va toucher personne. Ça va toucher personne. C'était pas loin, mais ça ne touche personne. Du coup, 2-1 pour l'instant pour les Blue Fire. Ça touche pas beaucoup là évidemment. Le premier Jhin qui a le grab, ça va faire un kill automatiquement. Vous allez voir, ça va partir très 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 vite. Un nouveau kill sur Xinox. 4-1. Ils aiment bien cette map, j'ai l'impression, du côté Blue Fire. Allez, c'est dur. C'est dur. Toujours pas de grab, on le veut. On le veut ce grab, hein, des deux équipes. Ouh, le bon gadget là de la part de Nico. Parce que sinon, il allait tomber. Hein. C'était sûr et certain, il allait tomber. Ah, ça y est, le grab de débloquer chez Mamat.
Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite action? Oui, de absolument, de Star Power, de zone dégâts, absolument. Mea culpa, j'ai confondu avec le gadget, c'est une bonne remarque. Oh là là, ça a enchaîné, ça a enchaîné. Tout le monde était low du côté Blue Fire, mais ils ont jamais réussi à faire un seul kill, les Activium. Ils ont jamais réussi à faire un seul kill, du coup c'est une première game pour les Blue Fire. Ils aiment bien cette map, hein. Clairement on dirait que c'est une map qu'ils ont beaucoup beaucoup bossé. Ils sont on fire, les Blue Fire. À quand en parler en 35? Le seul problème, c'est que j'ai pas le temps. Moi, je joue 3-4 heures par semaine. Donc, monter des 1100 trophées, il n'y a pas de problème. En 3-4 heures par semaine, c'est bon. Mais des rangs 35, il faut jouer 10 heures par jour. Et idéalement, se faire snipe 19 games sur 20 à la fin pour passer en 35. Sinon, c'est pas possible. Plan gauche, il y a un mur où il est graffé des arbres avec un ciel et à droite la cage du singe, le mur est vierge. Hein? J'aurais pas dû lire ce commentaire, je suis perdu dans ce que tu dis. C'est un power du bouclier, je suis pas convaincu. Ah, la zone fait tellement mal. Ah, la zone est tellement forte, je pense. Je pense. C'est possible sans se faire snipe? Oui. En jouant une heure ou deux par jour? Comme moi je peux maximum? T'es mignon toi. Allez, c'est parti du coup. Compo miroir à nouveau. Ça a changé de Star Power côté Xenox. Ça a pris le heal. Et il en a déjà utilisé un d'ailleurs. Et ça... Oh, le kill! Le kill sur Adri. Il s'est pris les trois graines. Et du coup, 3-0 pour Activium. Ils veulent pas laisser s'échapper un seul BO3. L'ulti très bien placé de la part de Xenox, tout simplement pour aller empêcher les adversaires de se cacher là. Ils peuvent aller se cacher derrière le mur, mais par contre, ils ont la vision. Ah, le grab raté de la part de Mamat, attention. Ça, il faut vraiment éviter de les rater. L'ulti de Nez, l'ulti de Nico. Le premier, celui de Nez, ne va pas toucher... Ah, le très très bon gadget pour sortir de l'ulti de Nico. C'est bien joué des deux côtés. Attention, attention. Et un nouveau gadget de la part de Nico encore. 5-0. Toujours pas de grab côté Adri. Il y en a eu un raté côté Mamat. Xenox, ouais, il remange de l'herbe. Il fallait... Oh, deuxième grab raté de la part de Mamat. Attention à ça. Hein. Attention, en raté un, ça peut arriver. En raté deux, c'est compliqué. Un premier kill... De la part des Purple... Des Blue Fire, excusez-moi. Ouh là là. Il est coincé. Il va même se mettre un petit wall de défense, Sterum. 5 à 3. Attention, le moindre kill est décisif, là. Le moindre kill est décisif. Et il va y en avoir un. Il va y en avoir deux. Et il va y en avoir... Peut-être 3. Et voilà, qui fait. Le moindre kill était décisif. Du coup, ils en ont fait 3. Et du coup, Activium qui revient à une game partout dans ce BO3. Ah, c'était mieux. Déjà, le Star Power qui a été changé et tout, le positionnement, tout était un petit peu mieux là. Par contre ouais, on a quand même pas vu un seul grab de la game. Mais bon. Je commence de l'e-sport. Est-ce que tu as des conseils? Bon courage. Bon courage. Entraîne-toi beaucoup. Et bon courage pour toutes les critiques que tu vas recevoir de la part de tous les haineux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est plus pour ça que je te souhaite beaucoup de courage et ne te décourage jamais, voilà, vraiment. Coucou TTV Just Jest, ça va et toi? Je viens de te découvrir dans une très ancienne vidéo avec ton pseudo était Twitch Pew Pew. Bah oui, j'ai toujours le même pseudo, hein, Timéo. Je m'appelle toujours Twitch Pew Pew, peut-être un rename un jour, mais non, pas encore. Et merci Timéo en tout cas, et merci pour ton follow. Alors, un partout entre les deux équipes, est-ce que ça va repartir encore une fois en compo miroir? Je rappelle, vive les haineux. Eh oui, Carnage. Eh oui. Moi, je les remercie, ils me font beaucoup avancer. On rappelle, ban Jackie. Hein, parce que sur cette map, on voit toujours de la Jackie. Là, si vous n'en voyez pas, c'est normal. Elle a été ban. Hein.
C'est tout à fait normal et c'est parti du coup pour la game. Un partout dans ce BO3. Un BO3 d'avance pour les Activium côté bleu. Et ils ont lâché. Ils ont lâché Jin des deux côtés en même temps pour prendre un Monsieur M côté Activium et un Tick côté Blue Fire sur Adri. Aïe 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 aïe. Oui, mais c'est pas la même chose, 007. C'est pas la même chose. Eux, c'est des, ils font des attaques légendes classiques. Là, c'est le championnat de France, c'est un peu différent. Attention, ma mate un petit peu dans la sauce. Ça fait déjà 2 kills. 2 kills pour les Blue Fire. 3 kills. Le petit gadget très bien placé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça joue bien, là, côté Blue Fire. Attention, ils sont à 1 minute d'égaliser à 1 BO3 partout. Et là, en plus, ils sont en difficulté, ils sont coincés. Ouais, il va mettre la pression. Oh, le bon gadget. C'est dommage. Nico qui avait fait un gadget. Le problème, c'est qu'il était coincé contre le mur. Du coup, son gadget ne l'a pas envoyé très loin. Un premier kill pour commencer à revenir au score. 3-7. Par contre, ouais, le spawner a été posé. Je me posais la question. Ouais, ça casse du côté NES. Ça, il fallait. Il fallait. C'est bien joué. La tête qui est posée. Elle va être gérée assez... Le mur, non? Ouais, c'est bon. Voilà, assez facilement, je disais donc. Voilà, un deuxième kill. Il n'y en a plus qu'un à faire pour Activium. Il faut une grosse défense du côté Blue Fire. À 20 secondes de la fin, le méga pingouin qui met la grosse pression. Oh là 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 là. Les roquettes de Nez qui ont fait extrêmement mal. 11-7. Ils étaient menés 7-0. Ils mènent 11-7, les Activium. Ils ont enchaîné comme Jaja. Et 13-7, grosse remontée de la part des Activium qui remportent du coup un deuxième BO3. Ils se mettent très très bien pour dans cette confrontation du jour. J'ai vu plein de messages, peut-être un jour MCES Pupu. Je pourrais théoriquement peut-être déjà changer mon pseudo, mais après, voilà, pas en tant que joueur. J'aurai jamais le temps de jouer pour une équipe. Jamais, jamais. Le problème, c'est que je gagnerai tout. Donc, ça m'intéresse pas. Je préfère commenter. Coucou, Medgame. Je crois que je t'avais pas vu avant. Comment tu vas? Ah bah, Piu Piu, c'est normal d'avoir des critiques. Alors, je croyais que j'étais le seul. Mais non. Évidemment, c'est normal. Surtout en France, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'en France, dès qu'il y en a qui gagnent un petit peu, qui réussissent ou quoi, ils prennent des critiques de plein fouet. Alors que voilà, dans d'autres pays, je pense vraiment aux États-Unis en premier, les gens qui réussissent, ils sont félicités. En France, ils sont critiqués. Voilà, c'est deux mentalités différentes. Mais il en faut pour tous les goûts. Oh, il y a beaucoup de cœurs verts dans le chat. On veut un comeback là des Blue Fire. Quand même, on veut voir d'autres maps. On n'aura pas vu la map, une seule map de BO5 ce soir. On n'aura jamais vu la dernière map. Est-ce que on peut voir une remontada des Blue Fire? À votre avis, dans le chat. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Activium quand même dans le chat. Hein. Ils vont dire non, je crois. Hein. Ils vont dire non. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a énormément. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le succès est mal vu en France. Ouais, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Bah ouais. Et du coup, troisième BO3, j'allais oublier. Les bans, évidemment, côté Activium. Vous les connaissez, hein, ban Kael de partout. Et ban Monsieur M, côté Blue Fire. On va partir sur piège vénéneux en Razia, les amis. Piège vénéneux en Razia, avec un ban Monsieur M et Gaël. Et hop là, la petite gorgée d'eau qui passe, ni vu ni connu. Les gens sont jaloux. Ah bah c'est souvent lié un petit peu, hein, évidemment. Les critiques viennent souvent de... Ah, franchement, s'il fallait donner un pourcentage, je dirais que 99% du temps, les critiques viennent de personnes jalouses. Tu peux donner les noms en anglais ? Oui, bien sûr. Alors, je casterai peut-être le SL britannique un jour, hein. Mais Death Cap Trap en anglais, piège vénéneux. Voilà, ça te fait plaisir. C'est parti, les amis.
2 BO3, 0 pour Activium. Et Activium a sorti Mortis. Activium a sorti Mortis, les amis. Double Sprout mid. Jean à droite, Mortis à gauche. Alors qu'il y a Sprout, Elisa et Emery du côté des Blue Fire. Ah, Mamat, ouais, qui était un petit peu dans la sauce. Tu as un air anglais. Ah, alors ça, on me l'a jamais dit, non. Normalement, sur moi, il n'y a rien qui ressemble à un anglais. Ah, non. J'essaie de réfléchir, mais normalement... ouais, la couleur de peau, peut-être. Ultra blanc, plus blanc que blanc. Je suis comme Homo Micropus, moi. Hein. Plus blanc que blanc, tu meurs. Pourquoi tu dis Sprout au lieu de Wally? Parce que les noms... Le problème, c'est que comme moi, je suis partenaire Supercell, j'ai les noms... Je fais les sneak peeks et tout ça en avance avec les noms anglais. Et après, une fois que j'ai pris l'habitude de dire un nom en anglais, c'est fini, quoi. Allez, 6 à 3 pour l'instant, pour les Blue Fire. On se concentre un petit peu, les amis. Par contre, 6 à 3 pour les Blue Fire. Mais c'est clairement les Actium qui ont le milieu de terrain. Mamat qui est parti à l'assaut. 6 à 3 toujours. Et là, c'est 6 gemmes Sterum. Il veut pas les perdre. Et du coup, il prend aucun risque, c'est normal. Zino qui a récupéré 3 gemmes de plus pour égaliser à 6 partout. Mamat qui fait le café, il enchaîne les kills. Évidemment, il y a 3 chips en face. Donc ça enchaîne évidemment les kills. Et hop là, il a l'ulti, il va enchaîner. Ah, il va tomber, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose du tout. Le petit grab de Nez sur Adri, 9-0. Mais par contre, ouais, il y a 6 gemmes qui sont posées là à gauche de la map. Mamat qui va la chercher. Attention l'ulti, hop le grab au corps à corps, évidemment la Elisa ne fait pas très très peur. Une gemme au sol, Zinox qui tombe, le grab, est-ce que Nez va tout... Je pense que Nez va tout ramasser. Ah bah il peut pas, tout est coincé. Et pendant ce temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils peuvent revenir à égalité. Malgré toutes les gemmes du côté, ils peuvent revenir à égalité les Blue Fire. Attention à ça, regardez, ils peuvent revenir à 19 et dans 4 secondes, il y en a une nouvelle qui sort. Et ça va faire le 10 partout. Et non, Mamat, il a dit non. Il a... Oh, le kill! Le kill d'Emery, de Nico. Oh là là. Oh, cette game. Oh, cette game. Et Zinox qui tombe encore au mid. Nez qui est dans la... Oh, Nez qui est dans le mal. Ah, oh, c'est bon. Je crois que c'est fini. Je crois qu'ils ont réussi à s'en sortir de ces actions de folie. Je crois qu'ils vont enfin pouvoir s'en sortir les Activium. Ça s'est joué à pas grand chose du tout cette game. Mais ça va faire une première game pour Activium les amis. Ce qui leur donne 2 balles de match. 2 balles de match pour Activium. 2 BO3 à 0. 1-0 dans le 3ème BO3. Ça se passe bien pour eux. Entre guillemets, on a eu du mal. Hein. Cette game a été très très compliquée. Mais... Conclusion en faveur des Activium. Belle game, ouais, ça va. Ouais, y a eu du spectacle en tout cas. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? RE et Kirf. T'as une peau de roue un peu, ouais. Des petites taches de rousseur, machin, ouais. Si on peut appeler ça une peau de roue, un peu vite fait. Est-ce que j'ai raté d'autres messages? Non, c'est bon. Ok, allez, peut-être la dernière game de la soirée. Peut-être. Ça aurait été très très vite. Hein. Ce soir, il y a eu 3-0, 3-0, 3-1. La semaine dernière, il y a eu 3-2 deux fois. Ça avait duré une heure et demie de plus. Là... On part peut-être sur un troisième 3-0. On va voir ça tout de suite. Coucou Max, comment ça va? Ça réfléchit à la compo. Ça réfléchit à la compo. Est-ce que ça va rejouer Mortis? Franchement, c'est ballsy hein, de rejouer Mortis deux fois d'affilée. Il faut oser. Quasiment, Timmy, ouais. Quasiment. Et si je live pas ici, je live sur la chaîne MCES. Mais normalement, je live tous les jours. Ouais. Allez, c'est parti. Peut-être, du coup. La balle de match. Ah, il a ressorti le Mortis.
Il a ressorti le Mortis. Et en face, du coup, pour essayer de le counter, ça a pris la Jackie pour, de la part de Nico. Il s'est fait toucher deux fois par Zinox, attention. Ma Max Ballsy, voilà exactement. Ok, Mamad qui... Oh, il fait le kill grâce au gadget, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est bon, il survit. Et par contre, pendant ce temps, 3-0. Hein. Voilà, 2-3-2, 3 gemmes récupérées de la part de Zinox au milieu de terrain. Stérom, il a vraiment eu le champ libre grâce à la pression mise par Nico. Par contre, le grab qui n'a pas été le meilleur du monde. Hein. Il a grab, mais il s'est fait kill. Donc là, si vous avez personne pour vous aider, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des idées de grab. Ah, c'est dur pour Matt, mais il va survivre. Ah, mais oui, il va survivre. Il a été vraiment en difficulté face à la Jackie, mais c'est passé pour lui. Par contre, il meurt. Il est mort de quoi, là? C'est marqué qu'il est mort de... Ah, du Sprout, mais... Ok, mais pourtant, j'avais pas eu l'impression que la graine l'avait touché. Oh, alors, c'est pas grave, on continue. 6 à 3 pour l'instant. Attention à cette Jackie qui peut faire très, très peur. Ah, il veut pas mettre un mur, là? Ah, c'est risqué, quand même. C'est risqué. Du coup, Mamad qui part à l'assaut. 7 à 5. Bah, attention, il y a des gemmes sur Zinox et sur Naze. Ouh là 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 là. Attention à ça. Il décide de manger de l'herbe très rapidement. Le petit grab, magnifique. Le kill de Mamad, l'agression de Mamad. Le petit gadget pour éviter... L'ulti de Nico sur la Jackie. Et les amis, on part. On part sur un perfect de la part des Activium. 3-0 ce soir pour Activium, les amis. Tout comme les Code Magic. Tout comme les Four Elements. Ça aurait été la soirée des 3-0. Dis donc, des games très serrés. Vraiment, hein, des games très très serrés. Par contre, à chaque fois, des scores très très secs. Hein. Et ce skin, par contre, ce skin hein, de Mortis qui est vraiment le plus beau du monde. Hein. C'est de la folie. Bonjour, Sulter, comment vas-tu? Ah, la ribambade de cœurs verts dans le chat pour le soutien d'Activium qui remporte, du coup, cette rencontre contre les Blue Fire qui ne déméritent pas du tout, franchement. Hein. Ils ont très bien joué, mais Activium on fire ce soir. Vraiment, Activium on fire ce soir qui, du coup, gagne 3-0 cette rencontre. Gros GG à vous. On va donc les retrouver la semaine prochaine. Activium, la semaine prochaine, qui jouera, je vous dis ça tout de suite, les amis. Merci, Varkan, je vais aller voir ça tout de suite. La semaine prochaine, Activium jouera contre Bunker eSport, les amis. On aura une très très belle rencontre la semaine prochaine. Activium, Bunker, plutôt intéressant. Du coup, le... programme, voilà, ça c'est les résultats du jour, les amis. Les Four Elements 3-0 contre Urania, Code Magic Black 3-0 contre Bunker eSport Silver, Urania Academy a pris 3-1 contre Purple Red, et à l'instant Activium 3-0 contre Blue Fire. C'est impressionnant. Alors, c'est pas les 4 équipes qui ont gagné ce soir qui sont les 4 meilleures du tournoi, hein, du championnat. On peut vraiment pas conclure comme ça. Mais par contre, clairement, ils nous ont montré du très très beau jeu. Ces 4 équipes-là, ce soir, nous ont montré du très très beau jeu. Il n'y a rien d'autre à dire. Et du coup, est-ce que lui aussi... Oui, c'est magnifique. Oh là là, Activium, du coup, invaincu pour l'instant. La team Activium... Invaincu. Pourquoi invaincu? Parce que la semaine dernière, ils ont battu Code Magic Black. C'est pour ça qu'ils sont invaincus. Ils ont créé l'exploit la semaine dernière. 3 BO3 à 2 contre Code Magic. C'est pour ça qu'ils sont les seuls en tête pour l'instant, Activium. Ils ont, on va dire, un orteil. Hein. On est très loin de la fin. Vous savez que ça se joue sur 7 semaines. On n'en est qu'à la fin de la troisième. Mais ils ont un orteil en Division 1, Activium, là, avec cette petite avance et surtout cette victoire contre Code Magic. Petit orteil en Division 1 pour Activium. Attention, derrière, égalité entre Purple Red, Bunker Silver, Code Magic Black et Four Elements. 2 victoires et 1 défaite. En 6ème position, Urania Academy, 1 victoire et 2 défaites. Et pour l'instant, voilà, difficulté un peu pour Urania et Blue Fire.
Pour le moment, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, évidemment. Il reste encore 4 soirées comme celle-ci. Il y a le temps de voir venir, évidemment. Il peut y avoir encore des changements. C'est pas parce que, voilà, Activium est premier ce soir. Faut pas se relâcher, hein, qu'ils vont être forcément premiers au classement définitif. Donc, jamais se relâcher. Voilà, je remets les équipes, les 8 équipes de cette Division 2. Les amis, merci beaucoup. La régie Meriana Verkan pour l'organisation et l'aide que vous avez apportée. Vous avez été parfait, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi aussi tard, les amis. C'était très, très sympa. Merci encore beaucoup. Merci évidemment aux 8 équipes qui ont participé ce soir. Gros GG à vous tous. Code Magic Purple. Medgame Code Magic Purple est en Division 1. Là, c'est la Division 2. Petit poussin. Évidemment, évidemment. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi, GG aux équipes, au staff de chaque équipe, évidemment, merci du coup à l'ESL, staff de l'ESL, et d'avoir mis en place tout ça, merci Brawl Stars France, gros GG à tous, gros bisous, moi je vous retrouve demain soir 19h pour l'Omega League, et évidemment, on se retrouve mercredi prochain pour la 4e journée de la Division 2 du Championnat de France. À 20h, on retrouvera donc Code Magic Black contre Purple Red. Ce sera mercredi prochain, 20h, ça, ils ouvriront le bal. Derrière, oui, c'est ça, Purple Red. Derrière, Four Elements versus Blue Fire, Urania eSport qui joueront Urania Academy. Et on terminera par Activium versus Bunker eSport. Activium fermera la marche la semaine prochaine aussi, et la semaine d'après. Et la semaine d'après, et la semaine d'après. Ah ouais, ben voilà. Bon, Activium qui ferme toujours la marche. Je viens de me rendre compte, j'avais pas regardé le programme, le planning de toutes les semaines. Mais Activium qui ferme toujours la marche de toutes les soirées. Activium, c'est le dessert, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Toi, c'est la bagarre si tu viens pas. Ben non, mais on va l'évoquer, y a pas de problème. Sujet... Ah ! D'accord, sujet à modification. Mea culpa, mea culpa. Non, c'est pas définitif. Il peut y avoir des petites modifications. Je n'ai rien dit. J'ai trop parlé, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, les amis, gros bisous à tous. Merci encore d'avoir suivi. Vous êtes les meilleurs, meilleurs communs du monde. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée. Et je vous dis pour le SL France, mercredi prochain, 20h. Bisous à tous. Ciao, ciao. For a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? Sitting and counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just out of top of the odds. Is all you need to do.